Hey hey hey! Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman14 et bienvenue à ce nouvel épisode du double tour. Cette semaine, vous l'attendiez avec impatience, le plus gros tournoi d'Age of Sigmar au Canada. Ça se passe en fin de semaine, le Grand Clash des Tireux de 2, tire -de, mon Dieu, pardon. Et j'ai avec moi. Euh... Être humain exceptionnel, j'allais dire, euh, en premier. Je commence avec oh, ça. Oh, euh, oh, me <laughs> membre os Geeks, organisateur du Grand Clash, euh, parmi tant d'autres organisateurs. Alex Thibodeau. comment ça va, Alex? Ben, ça va très bien, toi aussi, Xavier. Très, très bien. Très content de te sur le show. Encore une fois, on a un gros show. On a un deep dive. Euh, comme vous le savez, ce soir, on fait un list review. Euh, on passera pas à travers 122 listes quand même. On n'est pas, on, on joue pas sur la neige. On n'est pas des joueurs sur la neige toi pis moi. Euh, on n'est pas si sados que ça. Euh, mais on a quand même des petits pics. Là. On est allé choisir euh, quelques listes un peu à travers toutes les, euh, euh, toutes les Grand Alliance qu'on va vous présenter, qu'on va analyser. Euh, on va avoir beaucoup de plaisir avec ça. Et je vous ai préparé une petite présentation à la fin du tout ça, Un petit faction breakdown. J'ai des statistiques au niveau des factions. Euh, et au niveau des War Scrolls aussi, donc euh, je pense que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Donc euh, restez jusqu'à la fin. Il y a déjà beaucoup de monde dans le chat. Bonsoir tout le monde. Comment ça va, guys? Tognard, merci pour le resub 13 mois en partant. Big Love, Mister Big Love, je vois... Oh, solide, solide. je vois. Ah oui, solide, solide. Je vois déjà pas mal de monde. Draconian, Grimga, gars. Hey, gars, Pat East, Drobeck mmh, Pat East, Vanessa qui est là, Saline, euh, mon Dieu, j'en pense. Your gamers, Duet qui est là aussi. Euh, content de vous voir, guys. On est une bonne bien gang. Euh, Gênez-vous pas à soir pour poser des questions, pour euh, dire de la merde comme vous savez si bien le faire. Euh, Patrice, avec son resub pour 13 mois, qui dit Je te pogne au clash. Euh, je t'attends, mon euh, Je t'attends. <laughs> oh j'ai bien, ben, ben, ben Comment ça va, guys, dans le chat Quoi, Mnef Est-ce que, est que tout le monde est prêt Est-ce que je suis certain qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans leurs préparatifs de dernière minute Moi-même, euh, il me reste un modèle à finir. Là. Il me reste un modèle à finir. Après ça, c'est merci, bonsoir, terminé. Euh, mais ça avance, ça avance. Euh, toi... J'imagine que ce modèle-là, ce modèle Beast of Chaos. <laughs> sans commentaire, sans commentaire ah. là-dessus. C'est un modèle qui a un excellent lore, Alex. Je te laisse, ah, laisse là-dessus. gros lore. <laughs> euh, comme Crazy Shooby a dit tantôt, euh, on va jaser lore ce soir. Ça, c'est sûr et certain. Alex, toi aussi, je pense que tu as une grosse semaine de ton côté, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. <laughs> euh, ça brasse. Je, je redécouvre les joies de Messenger. J'avais oublié un peu la, la, la sonnerie que ça faisait sur mon téléphone. Là. Mm -hmm. Maintenant, je me souviens pas mal de qu ce que ça sonne, Messenger, comme, comme notification. C'est bien le fun. <laughs> T'as tout le temps constamment, euh, ouais, dans ton oreille, tout le temps, un petit bip là, qui sonne. Là. Très, très bien. Nice. Ouais, <laughs> pour vrai, pour vrai on, on, est, on est prêt, je pense. Ouais. Et c'est sûr, oui, c'est une grosse semaine. Maintenant, on est comme, on est aussi habitué. On commence à pogner un petit peu la twist. Même si on a beaucoup de nouveaux mondes dans l'équipe d'organisation, on... je pense qu'on qu est bien rodés, puis je pense que ça va bien. Je trouverais, j'en en fait de l'occasion pour identifier les, les personnes là, qui sont dans l'organisation avec moi, parce que c'est souvent moi qui est la, la figure publique. Euh... Hey, J'allais dire, shout out aux autres organisateurs, vas-y. Oh, on, oui. on les connaît, mais ils sont souvent plus dans l'ombre, effectivement. Oui, c'est ça. Marc-André d'Alpé n'est pas là cette année, donc c'était mon bras droit depuis le début. Euh, c'est Yann Miller qui le remplace. Donc, Yann qui va aussi gérer le double euh, le vendredi. Yann, mm -hmm. euh, encore une fois, travail exceptionnel. Puis, c'est lui qui va s'occuper de tout, tout, rentrer les scores puis ces choses-là. Euh, Pierre-Louis, Pierre-Louis Saint-Marie, qui joue à moi euh, cette année, euh, qui va être mon bras gauche. Donc, qui va être notre, notre helper pour un petit peu tout là, durant la journée. Mais aussi, on a, on a d'autres euh, personnes. D'Anneke Mayotte, euh, qui est juge de peinture pour la quatrième année, qui est là depuis le tout début aussi. Mm -hmm. Donc, Danik, là, qui va aussi gérer le Fig Expo le, le samedi euh, durant le tournoi. Donc, c'est la, la deuxième année qu'il va gérer cet événement-là. Donc, Danik, encore une fois, fait une, une job fantastique. Euh, pauvre lui, il avait commencé au début, bon, c'est 40, t'as à évaluer ce possible. Oups, 50, <laughs> oups, 90, oups, c'est rendu 120. Donc, <laughs> Danik, il n'a pour son cash. Mm -hmm. euh, à part ça, euh, ben, on a deux side events de plus cette année. Non? On a euh, le tournoi de la of Ice and Fire. C'est mon côté, mon ami Simon qui gère ça, donc à mm ses -hmm. euh, tout débuts. Euh, puis après ça, on va avoir euh, dimanche un tournoi de Middle-earth, donc le jeu de Seigneur des Anneaux. Alexandre Gudry qui a fait un job fantastique pour allier cette communauté-là, puis on espère aller chercher encore plus de gens. Et euh, dernier, mais certainement non le moindre, un petit nouveau aussi d'organisation, mais un vétéran de la scène. De EOS qui a fait un travail plus que phénoménal. On a vraiment hâte de vous montrer le fruit de son travail. Euh, Pierre-Luc, oh, qui a fait un job. Euh, je, oui, mais écoute, moi-même, j'ai une partie de mon âme qui s'échappe présentement. Mais euh, il faut rendre à César ce qui revient à César. Il a fait un job fantastique. Euh, il voulait vraiment. Il veut, il, je pense que le, le, le clash, ça lui tient à cœur. Puis il veut que ça, ça, ça grossisse mm -hmm. il veut que ça prenne de l'ampleur. Puis, tu sais, il a fait aller son, son texto aussi pour les commanditaires de partout. Puis, ça a marché. Puis, on a du stock. Puis, du stock. Tu sais, on, jeudi, on va monter toutes nos swag bags. Là, on a vraiment hâte de vous montrer ça. Là, euh, euh, ouais, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir du stock ben oui. dans ce sac-là. PL, PL qui a commencé à poster des photos aujourd'hui, justement, du, du price ouais. pool, de tous les prix, puis tout ça. Il y a du stock, ouais. là. Il y a vraiment du stock, ouais. là. Ah, euh, on... oh, puis c'est juste une partie, là. Ouais, ouais, puis c'est ça. C'est pas tout est là. là. Fait que vraiment, bel job aussi, ouais. effectivement, PL. Qu'est-ce que tu veux ça, ça... Profite-en, PL, la là, soirée. Là. On te fait des louanges. Oui, exact, exact. C'est journée. Tu sais, on, on va quand même. Au-delà de tout ça, tu sais, oui, beaucoup de commanditaires de web. Tu sais, beaucoup de commanditaires qui sont à, à l'extérieur, mais on va quand même. Euh, je vais quand même remercier là, les, les principaux commanditaires mmh. locaux. C'est quand même qui nous, qui nous supportent depuis le début, là, les, les commanditaires majeurs. Là, euh, à commencer par le Gamerspot, qui est, le, est notre plus vieux commanditaire là, depuis le début, en fait. Là, donc, euh, c'est le gamerspot, on, on fait beaucoup de tournois là-bas, très, très accueillants, très, très open. C'est Étant de trois vieux et Montréal, c'est un, un rendez-vous pour, euh, pour les gamers. Là. Mm -hmm. euh, on va aussi remercier les deux boutiques euh, de Québec qui sont jouées à nous. Là, on a Alfire et le Bastion, donc les. El Fire avait commencé euh, au Clash 2 à être commanditaire avec, avec Skizo, qui je pense est un nom assez connu dans le monde du hobby. Là, euh, donc ça, c'est euh, vraiment cool. Puis Bastion aussi, qui, qui s'est illustré aussi, qui a ouvert durant la pandémie et à Québec et au Saguenay, euh, puis qui commence à se tailler une belle place puis je pense qu'il gagne le cœur des hobbyistes du, du, du Québec. Très, très proche de la communauté, c'est vraiment cool. Mm -hmm. Puis l'Abyss aussi, l'Abyss qui s'est joué à nous l'an passé puis qui continue encore cette année à Montréal. T'sais, pour vrai, il y a deux semaines, c'était l'Hormation Master de Montréal. Là. Puis sérieusement, quelle, quelle belle boutique. Je veux dire, euh, le, le, le port, la salle de jeu, tout. C'est vraiment. On est vraiment choyé d'avoir euh, ces, ces quatre, euh, quatre boutiques-là là, qui, se, qui se joignent à nous et qui, qui embarquent dans l'aventure du Clash. Fait un, un gros merci encore à ces quatre euh, commanditaires. Absolument, absolument. Un gros merci à tous les commanditaires. Euh, très, très, très appréciés. Euh, on va avoir un bel... On le dit on le dit à chaque année. Ça va être encore plus beau cette année, ça va être encore plus hot, ça va mmh. être encore plus gros. Puis c'est vrai à chaque année. Fait que ça me stresse pas du tout. La, la fébrilité est là, euh, que ce soit en vrai, quand on rencontre des joueurs, je veux dire on avait un petit tournoi en fait de semaine passée à Québec, au Bastion. Euh, on en parle, ça s'en vient, il reste une semaine, euh, même sur les, les, les chats, les groupes de chat en ligne. Euh, on se peut plus. On se peut plus. Euh, ouais. Honnêtement, ça va être big. Ça va être très 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 plaisant. Puis, si je peux me permettre, sans, sans nécessairement mettre la charrue devant les bœufs, mais à chaque année, après le clash, l'équipe, on fait un genre de post-mortem de, de, post de l'événement, puis qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a bien été, ces choses-là. Je pense qu'on va être rendu sans, sans devancer. Je n'ai comme parlé un petit peu de façon informelle à plusieurs de mes collaborateurs, là, mais je pense qu'on l'an prochain, on va être rendu. On, on je pense qu'on est rendu avec des bases assez solides, euh, que là, on est rendu à penser de, de passer mettons, de tournoi à convention. Mm -hmm. Mm -hmm. Je pense, qu pense que c'est le next step pour le Clash là, si on veut être une coche. Je pense que ça va se faire dès 2023, parti comme ça. Avec, euh, on a aussi Bruno Choquette là, qui, je pense c'est trois semaines après le, après le Clash, là, au mois de mai, qui organise le Clash de 40 000. Donc, ce n'est pas, pas un hasard qui s'appelle le Grand Clash. C'est pour aller chercher les joueurs de 40 000 pour l'an prochain là, parce que c'est dans, dans nos plans aussi. On, mm -hmm. veut, on veut grossir ça. Fait qu'on veut fidéliser aussi la base de 40 000 qu'autour de Pâques. Préparez-vous, puis ça va être euh, un, un gros événement. Là, fait mmh, que... mmh. Ouais, ça va faire partie de nos réflexions, je pense, dans, dans l'après-clash pour cette année. Très cool, très cool. On a de voir ça se développer. Euh, qui sait. Euh... Un petit preview Games Workshop, ça serait le fun, durant le Clash. Ça... D'ici 4-5 ans, c'est mon objectif <laughs> ultime. Histoire, soit... Histoire, comme dirait PL, qu'on soit tous déçus, mais ensemble, dans la même pièce. Mais, mais fier d'être déçu. Mais fier qu'on l'ait fait ensemble. C'est exactement. <laughs> The biggest reveal ever pour avoir genre une nouvelle carte dans Shadespire. Yes! Yes! Puis PL va l'avoir collé. Really. Encore une fois, il yes. va l'avoir collé. <laughs> C'est clair. Puis au moins, j'espère, un, un, un unboxing de Sprue avec la shaky cam. Ça prend au moins un unboxing de Sprue avec oui, la, oui, la shaky cam. Oui, Mathieu, ce serait bon. Ce serait un unboxing d'un modèle made to order de 1997. C'est <laughs> cool. Ce ouais. ouais. serait malade. Gros J'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte. Euh, <laughs> ça va être malade. Xav a déjà la caméra qui shake pour le review. Oh oui, des fois je fais des, re... je fais des petits reviews au monde là, avec les modèles. Regardez, je ce modèle ici à la Games Workshop. Oh, wow Ok, désolé pour le mal de cœur, tout le monde. Mais <laughs> c'est la même qualité. La même, même, même qualité. <laughs> Est-ce ouais. right. pourrait faire un genre de unboxing de, de, de sévirette et de Chrisopuel? Ouh! Ouh. Ça, ouais, ouais. écoute... j'aimerais euh... avoir l'opinion de David Gravel là-dessus. David est là à soir. Je pense que on pourrait commencer avec son Sévirette au pire, puis euh, on verra où ça nous mène oh, après. Ça oui. <laughs> les, solide, solide, propos haineux, ça ouais, c'est ça. <laughs> Il va nous report, un propos renarophobe. Renarophobe, c'est bien dit. C'est bien dit. <laughs> euh, Donc, on a quand même un bon show qui nous attend. Donc, euh, je pense que sans plus tarder, euh, on va rentrer dans des listes. Donc, comme, comme je disais tout à l'heure, on a 122 listes en ce moment. Euh, ou en tout cas, à l'entour de 120 listes déjà confirmées dans l'événement. Euh, ça va déjà être le plus gros événement d'Age of Sigmar euh, du Canada euh, qui a lieu. Euh, donc on a beaucoup de stocks, beaucoup de. de beaucoup de factions représentées. Euh, comme vous allez pouvoir le voir. On va pas passer chacune des listes, comme je mentionnais tantôt. Par contre, on va y aller euh, par Grande Alliance. On va commencer par Grande Alliance comme ça. Euh, certaines listes que moi et Alex on a identifiées euh, qui pourraient être peut-être... Euh, Bien positionnés dans la méta, ou vraiment plutôt anti-méta, qui rentrent et qui vont bien faire dans, avec ce qui se joue en ce moment. Ou complètement des left-field picks, des choses qu'on ne s'attend pas à voir, qui pourraient nous surprendre, euh, ou que ce soit même des joueurs aussi qu'il faut faire attention, qu'il faudrait garder un œil sur eux, qui pourraient nous surprendre aussi, effectivement. Ou qui sont des, tout simplement des gros noms de la scène, on sait qu'il y en a. Des grosses teams qui descendent nous voir, euh, particulièrement euh, deux, deux teams d'Ontario qui descendent, euh, des très bons joueurs. Donc euh, ça va être solide. Donc on va, on va passer à travers ça. Et comme je mentionnais tantôt, à la fin euh, de, de, de ce list review-là, je vous ai préparé un petit faction breakdown pour vous donner une meilleure idée des euh, statistiques les, les, et les War aussi. J'ai euh, quelques petites statistiques de War Scroll qui sont assez intéressantes, assez le fun à, assez le fun à vous montrer, genre de vous montrer ça. Donc euh, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer, Alex, avec euh, le, le gros morceau. Euh, Order, donc je pense que c'était euh, personne. Personne ne devait euh, se surprendre que Order serait la faction, la grande alliance la plus représentée. Euh, mmh. Et on a euh, toutes, si je ne me trompe pas, toutes les factions d'Order sont ouais. présentes. Donc il euh, n'y a personne ouais. qui manque à l'appel. Euh, exact. Si on commence avec une liste, je ne sais pas si Alex en avais une déjà qui te venait en tête de ce côté-là. Ben oui, j'en ai plus qu'une même. Je t'écoute. Ouais, j'ai commencé avec une liste. C'est un... cool parce que dans des événements comme ça, tu as, des... as, des... as des joueurs qui... qui amènent des listes méta, qui veulent justement tenter de, de regarder qu ce qui se fait ailleurs et de l'appliquer. Mais tu as aussi des joueurs qui, qui... qui surprennent un peu, puis mm -hmm. qui... Qui, font... qui font des listes un petit peu. Tu te dis, Ah, oh, ouais, ça Il me semble que c'est pas fort, ça. Euh... ce joueur-là, ben n'a pas fait ça du tout. Euh... C'est une liste de lore. <laughs> <laughs> J'aime ton ségoué pour nous amener complètement <laughs> nulle part. <laughs> Okay. Non, mais ben écoute, okay. pour vrai, je peux okay. pas passer à côté. Xavier, il faut que je sorte ta liste. Euh, ah bon, ça commence raide, pas le choix. Ça commence raide. Je vais être mais obligé, là, obligé de dévoiler ma liste au monde. Qu quand tu qu es, que es un, un lore un master, il faut que tu t'assumes. <laughs> on sait très bien que ça fait des années que tu vas avoir une liste de dragons. Uh -huh. Puis là, finalement, c'est possible parce uh -huh. que le lore des dragons est tellement uh -huh. magique. Solide. Que, ben en fait, écoute, vrai. Ben, pour vrai ta liste, je pense que c'est une liste un peu twiki de ce que tu as joué au Lord Master. Ben oui, j'allais dire, vas-y, j'aimerais tu... ça entendre ton analyse là-dessus sur ma oui, liste. Oui, tout à fait. Ben t'as enlevé, enlevé, ton, ton, ton solo Stormbread Guard euh, pour insérer un Lord Relector. Dans le fond, mm -hmm. je pense que la réflexion se portait sur avec le nouveau euh, Battle Scroll. Oui. Les points additionnels, est-ce que le dragon solo vaut vraiment la peine? Il donne un point. Euh, euh, relativement facile à aller chercher l'adversaire. Je pense que ton relecteur avec Translocation, je, ouais. pense donne, euh, je pense que ça donne ça donne une mobilité de plus à ta liste. Donc, ça permet de jouer avec tes Raptors encore un petit peu plus au besoin. Fait que je pense que c'est une liste, en fait, c'est pas compliqué. Euh, c'est juste une liste qui, qui est là pour détruire puis euh, ça le fait très bien puis ça encaisse très bien aussi. Ça a en fait ses preuves dans deux Lore Masters. Je pense que t'as fait 5-20-0 puis 1-15-5, genre. Exact, exact. Dans ces eaux-là. Ouais. Fait que c'est pour moi, puis tu un excellent joueur, puis je pense qu'on le sait, puis se ceci aussi. Fait que c'est sûr que dans l'order, moi, je te mets dans mon, dans mon dans mon contention, mettons, pour euh, faire du bruit là-dedans. Mm -hmm. Avec une liste tout à fait pleine de l'ordre. Tout. Plein de l'or, oui, plein de l'or, euh, <laughs> Comme, euh, comme Novel X dit, on va enlever le band-aid en partant, effectivement. Euh, ben oui. Puis je suis content en plus. Cédric Delors, le doyen d'Age of Sigmar, est dans le chat et qui me dit qu il veut une liste qui gagne, c'est tout. Bon, 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 bon. Euh, c'est narratif tout ça. Pis, Mais euh, qui oui. gagne des prix littéraires, bien sûr. Oui, oui, oui. Euh... Avant tout, bien entendu. Mmh. Euh... <laughs> Donc, rapidement, effectivement, t'as remarqué, j'ai tweaké quelques trucs. Le relictor qui est là, qui est super intéressant, je pense, pour... Euh, surtout le scénario Tout en, air, tout en Air, que je ne peux pas rien mettre dans les cieux. Donc, soudainement, peut-être que mes raptors vont se retrouver dans un endroit pas mal moins intéressant pour eux. Euh, même chose pour le Night Draconis aussi. Ça un endroit être... sombre et obscur. Sombre et obscur, qu'ils ne veulent pas être. Et j'ai une nouvelle sous-faction aussi. Euh, J'essayais toutes les sous-factions, basically. Mm -hmm. Et j'ai essayé Celestial Warbringers, en fait, semaine passée, au petit tournoi au bastion. Et euh, j'ai été agréablement surpris. Ce pas une sous-faction euh, Stormcast qu'on voit extrêmement souvent. Euh, dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'à chaque phase, je peux relancer soit un hit roll, un wound roll ou un save roll. Donc, vite de même, OK. Souvent, un petit save roll de plus, euh, c'est quand même intéressant. Mais on se rend compte que dans chaque phase, ben, les long strikes qui tirent dans Hero Phase, je peux relancer un hit roll. Euh, s'ils si vont unleash L dans Charge Phase, je peux relancer les trop. Euh, s'ils si vont shoot normal, je peux relancer les autres. Fait que soudainement je viens un peu fiabiliser le dégât. Euh, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Fait que entre autres, c'est ce que j'essaie. Je pense que ça, ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Et à 1945 points, je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, le passé, j'ai donné tous les triomphes de mes adversaires et les trois, je crois, étaient à genre 1960 points. Donc habituellement, ils devraient avoir leur triomphe. Euh, Tout à fait. fait, fait que ça peut venir scraper des listes, euh, juste d'enlever des fois le plus un towing qui peut être très intéressant euh, pour certaines mm -hmm. listes. Fait que euh, fait quoi On va voir qu ce que ça peut faire euh, en fin de semaine, mais euh, ça devrait, devrait, bien performer. Euh, c'est assez straightforward, je veux dire. Oh. Rendu là, le monde savent, euh, le monde savent ce que je joue. C'est pas une surprise pour oh, personne. Oui, c'est moi aussi. Mais euh, c'est efficace, à ce que ça fait. Ça le fait, ça le fait très bien. Écoute, ça, si bien. je peux parler sportive, vous aviez là. <laughs> T'es comme un genre de vieux vétéran qui veut gagner sa bague de la Coupe Stanley. C'est correct. <laughs> C'est bon ça, j'aime ça. <laughs> ça me la prend, la bague. Ça me la prend. Euh, je me suis fait déloger par Pat East l'année passée. Euh, je l'ai encore, je... ouais, pas encore sur le cœur. C'est pas mal. Je l'ai encore sur le cœur. Fait que cette année. Si je peux finir contre Pat East puis le battre. Euh, je pense que ça sera un plus. Hein. Alors, vraiment, là, vraiment, vraiment, ça sera un plus. Je vais en parler au Théo, voir qu'est-ce qu'il peut faire. Je vais en parler au Théo, c'est -ce <laughs> bon. <laughs> euh, cool. Euh, J'enchaîne avec une autre liste. Euh, je veux dire, mm -hmm. pendant qu'on est là-dedans, euh, c'est un secret pour personne, j'ai une même stratégie depuis le début. Euh, puis ma stratégie, c'est pas, pas, pas compliqué, guys. Euh, c'est toujours faire ce que Jocelyn Cloutier fait, mais en mieux. Je, je veux dire. <laughs> C'est tout, vous n'avez pas besoin de faire plus que ça. Et là, ben, Jocelyn Cloutier qui s'est fait très, très, très. Euh, s'est fait oublier un peu dans la dernière année. Je veux dire, on n'a pas vraiment vu Joss plus que ça dans les tournois, tout ça. Euh, et là, il revient en force avec une liste que j'ai beaucoup appréciée. Euh, on est dans la même veine de lore, on a à peu près les mêmes. Tu on a la même. Beaucoup de lore. même style d'écriture, ça paraît. Là. Euh, donc, on a une, une bonne liste à Mers of Sigmar. Euh, on a ici le Celestine Prime le Night Draconis qui est général deux packs de Guard, les cinq Judicators aussi pour un peu plus de range et les six Vanguard Raptors donc on a sensiblement euh, sensiblement le même euh, le même plan je veux dire quand je regarde, cette liste là, je, quand <laughs> je regarde ma liste euh, c'est quand même assez pareil, Juste qui est allé ici pour aussi de la fiabilité avec le Celestine Prime parce que le Celestine Prime vous savez, mm -hmm. peut changer un de ses dés, euh, ben, mm -hmm. un résultat d'un lancer de dés à son choix. Fait que généralement, vous le droppez à 9 charge. pouces et il plus. charge à 12 automatiquement, ce qui est très, 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 très fort. Euh, donc il va rentrer à la place où est-ce que vous voulez qu'il rentre et en plus il peut causer des Mortal Wounds euh, automatiquement à des units qui sont, euh, qui sont regroupées. Donc euh, une très belle tech aussi. Comme je dis, c'est une liste qui ressemble beaucoup à, à ce que je veux faire, mais on y arrive avec des moyens un peu différents, pis j'aille pas ça. Je pas ça honnêtement puis Just j'ai entendu beaucoup de rumeurs à son sujet. Là. Moi, j'ai parlé à Joss cette semaine. Mm -hmm. Puis je confirme que t'sais, depuis un an, dans une retraite fermée. <laughs> euh, je pense que c'est en Thaïlande où est-ce qu'ils s'entraînent avec les plus grands sensei du monde pour pouvoir conjurer la malédiction du 0 au 20 à la première ronde. Là. Oui. Fait que, oui. Attends, moi je ferai vraiment attention à Justin. Il y a bien des histoires qui circulent, il y a bien des rumeurs qui circulent. Là. Mais moi je vous dis, là, ça fait un an qu'il a fait ses couteaux et il est prêt. Euh, effectivement, je pense qu'il s'entraîne avec des moines euh, oui. tibétains qui sont allés le rejoindre. C'est des moines de shaolin. Sha ouais, Toutes le kit, toute les kit. Euh, solide, solide. Euh, on a même dans le chat, je confirme, il n'a pas écrit sa liste tout seul. C'est ça. Toutes les moines étaient avec lui pour écrire sa liste, là, clairement. Là. clairement <laughs> voilà Donc, euh, très solide, euh, très solide cette liste aussi, je m'attends. Euh, je m'attends à ce que ça aille bien pour Joss à moins qu'il fasse encore son classique 0-20 au début, puis un petit sous-marin pour le reste du tournoi. Euh, on pourrait s'y attendre, c'est juste quand même de comprendre. Ah, 5 games, ton, ton, ton sous-marin, il... c'est plus difficile un peu. <laughs> ouais, c'est sûr que ça se fait pas aussi loin que 6 games pour sous-mariner. Euh, on enchaîne avec un autre style de liste, peut-être. Alex, aurais-tu ça pour nous Ouais, j'en ai une, puis tu sais, qu'à dans le thème Stormcast, j'en ai une euh, qui me tient à cœur. Euh, Timothy Refsteck, un ami français. Mm -hmm. Donc, euh, quand même, il quand même, faut le mentionner, là, un groupe de, de joueurs français qui viennent, euh, qui viennent nous visiter. C'est une liste, un casse, qui va se sortir de l'ordinaire. Puis c'est une liste, c'est un, un gars qui, je, je parle oui. beaucoup de gaming, on, oui. on s'est parlé. Puis d'ailleurs, il fait, il, il est quelques fois là, sur la chaîne assez connue, le French War Game Studio. Là. Euh, Tim, c'est un joueur compétitif. C'est un joueur qui, euh, qui a une très bonne expérience de compétition, qui en fait beaucoup. Euh, Puis, il sort, il sort des listes des fois qui sont euh, hors du commun. Puis, celle-là, j'ai vraiment hâte de voir comment okay. elle a performer Parce que sur papier, ça n'a pas de l'air si wow que ça. Mais euh, ça peut surprendre. Mm -hmm. La liste, en fait, c'est une liste très, très, shooty, euh, mouvement, in your face. Euh, on a un Celestine Prime, donc tu l'as mentionné, euh, on ne reviendra pas là-dessus. Oui. Euh, on a parlé de 5 Night Judicators. Euh, c'est du tir, c'est des, des Gryphon, ouais. <laughs> c'est bien, bien, bien du tech. Il euh, y a trois Battle lines deux, deux, deux fois cinq Vindi et une fois 5 Lib. Et juste pour faire plaisir à David Gravel, il <laughs> y a un Spirit of the Wind en allié euh, quand même. Il joue en. C'est la seule Warbringer. Mm -hmm. Donc, euh, pour euh, avoir un effet Under the Heartland, la grandeur de l'armée essentiellement. C'est une liste qui. Puis il me comptait, puis j'ai beaucoup d'infos là-dessus. Et il me parlait de ses parties, il me parlait des de adversaires, il a battu des grosses listes, il a battu des gros joueurs avec ça. Donc euh, moi, là, euh, je, ça peut surprendre. Euh, en fait, Celestial Brawbringer, War c'est la même faction euh, façon que j'ai. C'est celle qui roule soit un troll, soit un win-roll. Soit... Ah bon, il ah, a changé. C'est bah, beau. Changé, je, mais de puis je, pensais un... je pensais que c'était Je pensais que c'était l'autre. C'est bon. Ouais, c'est ouais. mon erreur. C'est super intéressant avec des Night Judicators parce qu'un Night Judicator, c'est deux shots, trois, plus, deux plus, moins deux. Euh, moins 3, pardon, 3. Euh, fait que de venir mmh. parfois fiabiliser ce petit jet-là, ouais. euh, juste avec <laughs> un reroll, ça peut être très, très, très intéressant. C'est un archétype de liste connu quand même, Stonkass mais généralement, je l'ai joué moi aussi. Généralement, euh, on le joue avec un, un Lord Arcanum sur Toralon Parce que Lord Arcanum sur ouais. Toralon se déplace et à la fin de son move, donne plus un tweet à toutes les units qui sont en dedans de 3. Ouais. Et là, on vient de donner un plus un tweet à tous les Night Judicators. Mais euh, je pas l'inclusion du Prime ici qui vient faire un peu un threat de l'autre côté du board pour Bien aller euh, pendant que le reste vont rester en arrière tirer et ça peut sembler être une liste ah ben je fais juste garrocher mon monstre dans, dans les nids du puis je vais aller passer mais ce qu'on se rend pas souvent compte c'est que il y a cinq paquets de deux aussi qui spawnent dans les nids du et qui vont vous bloquer le chemin avant de vous rendre jusqu'en arrière donc ça peut être très 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 difficile à se rendre là-bas exact euh... Donc, oui, oui, j'ai hâte de voir, euh, voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ça. Parce qu'on se rappelle aussi que le Night Judicators a le Once per Game ability de choisir un point. Et toutes les units à 6 pouces sur un 4 se prennent des trois mortels. Donc mm -hmm. là, quand on fait ça 5 fois de 6. fois 5. C'est ça. Euh, ça, pu, ça peut punir des, des castle formations, des, des armées qui vont vouloir se déployer très, très, très serrées. Euh, ça peut être très difficile pour elle effectivement. Donc, euh... En fait, toutes les armées qui met sur des sur des synergies de proximité avec des héros. Là, ouais. Tu peux aller vraiment sur une façon de cacher de sniper tes héros ouais. en bypassant le c'est quand sur mm -hmm. intéressant. Super, super bien, euh, super bien designé. C'est une liste euh, c'est ça. ça. Faut que ça hit par contre. Ça peut manquer de jus en termes de dégâts. Des Night Judicators ne seront pas autant de dégâts que par exemple 15 Judicators. Euh, mm. Mais euh, quand ça réussit à frapper, quand on réussit à, ré à faire nos hit, c'est quand même du Ren 3. Sur le shooting. Donc, il n'y a pas grand chose qui peut saver euh, contre ça. Donc, ça peut être très, très, très intéressant. Super. Super liste ici. Euh, J'ai pour nous aussi, il faut en parler. Idonette euh, Deepkin, le Battle Tomb euh, fait quand même des, des ravages, fait des vagues, si je peux le dire ainsi. Euh, oh. on... <laughs> je me permets, je me permets quand même. Euh, on a plusieurs listes, Idonette. On a plusieurs listes. Juste avant, je pense qu'on avait une question. Euh, Est-ce qu'on va devoir jouer avec les masques? Est-ce qu'on va avoir les masques pour ah, jouer? Bonne question. Euh, ben, je c'est vrai, vrai, je peux répondre. En fait, euh, on, on traite ça comme au restaurant. C'est-à-dire qu'à votre table, vous pouvez jouer, vous pouvez retirer le masque. Oui. Bien sûr, en même temps, c'est optionnel. Fait que, si vous, votre adversaire se sent aime mieux garder le masque, peu importe, mm -hmm. je pense qu'il y a moyen de le moyenner. Mais euh, dès qu'on est en déplacement, dès qu'on est au toile, -well, on prend une bière, ces choses-là, il faut porter le masque. Mais aux tables de jeu, lors des parties, on peut le retirer. Absolument. Super ça. Ça fait, ça fait du bien. Euh, donc, j'ai pour nous... Elle est dur, elle est dur à placer celle-là. Euh, la liste de Lou. Lou Bergeron, qui a euh, sa liste Idenette Deepkin. Euh, honnêtement, il y en a plusieurs euh, listes qui vont ressembler un peu... Parce que Lou joue ici, mais je me sentais plus à l'aise de l'expliquer. Parce que j'ai joué contre Lou, euh, personnellement. Et c'est la même liste qu'il joue en ce moment. C'est une liste de Morphans. Donc, ramener des, des euh, trolls. Euh, ça se fait très très bien avec le Surrender. Euh, on a l'Otan, qui une fois par game va pouvoir donner un rituel euh, gratis comme ça euh, à une unit. Donc, c'est le genre de liste qu'on a 30 trolls dans la liste. Les 30 trolls sont en avant. Euh, et... Ne veut pas avec Aidanet Deepkill, on est obligé de tirer la unit la plus proche. Donc généralement, ça va être les 30 Thralls. Euh, C'est 30 Wounds et il, avec l'OTAN, il peut leur mettre un 5 plus Ward. Donc ils deviennent très 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 durs à tasser. Euh, et on a le Aidanon of Matlan, l'Aspect of the Sea avec un spell très solide. Euh, Steed of Tides pour se téléporter. Et euh, avec l'Arcantome en plus, le Common Trait aussi Endless Sea Storm, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il réussit un casting sur un set. Il peut caster un spell additionnel. Donc, ça peut être très, 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 euh, très dommageable. Je veux dire, il se téléporte de votre bord, commence à vous faire moins d'étroits à vos saves. Euh, c'est quand même solide aussi. Euh, honnêtement, c'est quand même bon. Euh, on a le Leviadon le 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 Levi aussi, euh, Bon, qui est peut-être un peu surpointé, qui devrait probablement descendre un peu de ses 500 points, mais peut quand même faire une bonne job, il vient donner un save euh, additionnel. Et avec la Reverberating Carapace, ben, on tombe à 15 pouces au lieu de 12 pouces là, pour son aura, euh, ce qui peut être très bon. Puis euh, des reverse, ben, ça tire. Ça tire en cochon, des reverse aussi. Euh, ouais, ouais. Donc, euh, très solide. Euh, très bonne liste, effectivement. Très dur à dealer. Euh, très dur à dealer. Euh, si vous n'avez pas le nécessaire pour passer à travers des tralles, vous ne toucherez pas à ce qui est en arrière, puis ce qui est en arrière va vous faire mal aussi. Donc, euh, très bon. Très solide de ce côté-là. Euh... Peut-être une dernière liste de ton côté, Alex. Ouais, ben je, en fait, j'en avais une, sauf que c'est plate, je ne sais pas si En tout cas, je vais dire pareil, mais le, le, le joueur, en fait, la liste que j'avais ressortie, malheureusement, ne pourra pas venir en raison de ah. la COVID. Donc, j'ai su juste avant l'enregistrement. Le, C'était une Liste Fire Slayers ce qui ressemblait beaucoup à celle que je run, je la trouve vraiment intéressante. Mais je vais en sortir une autre. Une autre List Fireslayer parce que ça prend au moins une liste et Puis j'ai vu qu'il y a un seul caradon, puis c'est Loïc, fait que ça ne me tente pas de parler de Loïc. Donc, euh... <laughs> random. Donc, j'ai sorti la liste de, de Bruno Peter... Bru... Saline. Donc, euh... <laughs> donc, c'est une liste en fait. Puis, c'est pas. Tu sais, j'ai vraiment hâte de la voir. Euh, vais... Ça se peut que je passe beaucoup de temps avec Bruno au clash euh, parce que j je veux vraiment l'avoir en action. C'est la liste avec 6 mac Oui. Donc. Euh... En, en l'offenir, Donc, à la base, les Magma gagnent tous deux points de vie chacun. C'est vraiment intéressant. Euh, les Rune Sons sur Magma deviennent Battle mm -hmm. Donc, c'est vraiment intéressant aussi. Que de D'où les 6. Puis, ça peut quand même frapper. Ça peut quand même tirer. Bref, je suis curieux. Je suis un peu. Je demeure un peu sceptique. Mais je suis curieux de voir comment ça va performer. Fait que, tu sais, si tu veux pas, t'as pas de screen. Uh -huh. euh, oui, tu comptes es, tu comptes, as un footprint total de 30 modèles dans l'armée. Uh -huh. Tu es, es très limité au niveau tactique, mais tu bouges quand même vite. Oui. Euh, tu peux quand même frapper relativement fort avec les items que tu peux mettre justement. Euh, Puis les, les, les traits de monture des magma sont franchement intéressants. Uh -huh. euh, tu peux avoir un Rune father qui est vraiment pas couchable. Uh -huh. Fait que quoi que lui, je pense qu'il a choisi en fait. L'option plus. Il y a la Axe, of, axe Grimnir. of Grimnir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Plus, plus agressive, là. Mais, euh, tu sais, 10 000 dommages de 1. Puis, tu sais, yeah, ça peut être quand même tough à coucher. je suis vraiment curieux. Donc, euh, Bruno, euh, ouais, ça se peut que tu. Qu'on que, qu qu passe un petit peu de temps ensemble au Clash pour que je puisse checker ça. Euh, on a vu des Mais listes... juste avant, avant que tu passes à autre oui, chose, Zami, Oui. Amis, oui, là. oui. Ben, parce que, tu sais, juste à souligner l'affaire qu'on n'a pas vraiment parlé, parce que, tu sais, il y a beaucoup de list order, mm -hmm. là. Moi, je veux juste souligner qu'il y a comme deux archétypes aussi qu'on ne parlera probablement pas, à moins que peut-être tu nous réserves une surprise. Peut-être que je vais devancer. Mais tu sais, il y a quand même neuf joueurs séraphons. Oui. T'sais, il y a huit joueurs Thunder Lizard. Oui, J'ai Et... une liste Thunder Lizard. Pour... Ok, bon, pour la parfait. Finale, que je vais... oui, oui. Puis l'autre flip side, dans le fond, c'est liste Dollars of Kane, qui sont oui. pas mal aussi, oui. relativement similaires. Fait mm -hmm. On voit certains archétypes qui sont là. Puis, ce qu'ils font dans Thunder Lizard, puis tu vas... L'an passé, au Clash, on avait à peu près le même ratio de joueurs Seraphon. C'était mm -hmm. tous des fans of Satek. Mm -hmm. Oui. <laughs> Donc, c'est drôle quand même comment... Puis c'est tous les mêmes joueurs, pratiquement. Mm -hmm. Fait que c'est quand même drôle de voir que, comment ça peut changer en, en une seule année, en fait. Mm -hmm. Absolument. Fait on passe d'un build, d'un Mais... build, tu sais, très, très Summon, Skink, ça. à un build. Exact. Puis Seraphon, je pense qu'il est un des meilleurs livres pour s'adapter... Ouais à la métal autour d'eux et c'est ce qu'ils oh, ont clairement. fait avec la nouvelle édition. Je pense que c'est très solide pour ça. Euh, pour revenir rapidement au euh, à la liste ici de, de Fire Series, on a vu à travers le monde dans les tournois des dernières fêtes de semaine des listes avec plusieurs Magmadrotes bien performés. Euh, mm -hmm. Donc Magmadrotes sont rendus solides, peuvent faire beaucoup de dégâts. Euh, mm -hmm. C'est des monstres, font des Mortal Wounds aussi mm -hmm. quand ils se prennent des dégâts. Ils sont sont pas évidents à dealer avec. Donc, euh, ouais. effectivement, ça va être intéressant de voir euh, comment, comment Bruno va se, se débrouiller avec tout ça. Euh, il, il nous a corrigé, c'est pas 6 Magma Drops là c'est 5. Euh, c'est pas un puriste. Il y a deux packs de 10. Ah oui, c'est de... vrai, c'est vrai. c'est vrai. vrai. Dans Hunters of the Heartlands. Puis il y a le Alpha oh, ben Beast ben, Pack pour euh, ces, ces gros monstres pour pouvoir avancer ouais. en pre-game moves. Très, très bon aussi. Euh, donc oui, ça va être intéressant de voir euh, comment ça se passe pour Bruno avec les Fire Slayers, beaucoup de, beaucoup de Fire Slayers euh, cette année quand même avec le nouveau livre. Euh, je pense que c'est une armée. Ouais, euh, ouais non, c'est ça. Ça va être intéressant de voir euh, où est-ce qu'ils est qu peuvent... peuvent performer, où est-ce qu'ils vont se rendre dans le tournoi, là, les joueurs Fireslayers. Euh, pour terminer, Order, ben, tu t'en as parlé un peu. On a beaucoup de listes. Euh, Thunder Lizard euh, de Seraphon qui ont généralement... La même chose, les mêmes héros, le Slan, euh, des fois on a Croak à travers. Euh, Star Priest, Priest, euh, L'Astralite Bearer, on a des skinks, on a Bastiladon, Engine of the Gods aussi peut-être. Tu sais, on est pas mal. On tourne tous l'entour de ça. Mais j'en avais une que j'ai trouvé quand même intéressante aussi, que je voulais vous présenter en même temps. Euh, C'est celle de suis juste trouvé de nom pour ça. Michael Grove! Donc, Michael Grove ici qui a une liste euh, Thunder Lizard donc, Engine of the Gods, le Stegadon sur King Chief qui peut faire beaucoup de dégâts et qui est très dur à coucher en même temps. Le Slam, le Star Priest, le Priest, le Terradon Chief. Et vous remarquez que plus bas, on a six Terradon Riders et j'ai trouvé ça super cool. Euh, les six Terradon Riders maintenant, ça peut surprendre. Ça peut faire des mortels. C'est pas nécessairement une unit qu'on voit très souvent. Euh, les séraphins ont et euh, donc, donc ça va pouvoir vous surprendre. Certains adversaires qui sont peut-être pas habitués de jouer contre ça, ça arrive dans votre face assez rapidement et ça drop leur bombe. Euh, ça peut être très très fort avec ça. On a le Bastille bien entendu. Donc euh, je trouve ça intéressant, effectivement. Euh, mais on le dit, c'est l'archétype Thunder Lizard et se fait très ressentir. Là. Vous allez trouver beaucoup de similarités entre les différentes listes qui sont présentes. Non, puis tu sais, en, en plus, il y a quand même des bons joueurs, tu sais, j'en sais quelques-uns, tu sais, euh, qui est le champion défendant quand même, Danique Gagné qui est un excellent joueur, mm -hmm. The Ridge, Ridge Anna aussi, qui est un joueur qui a fait oui. ses preuves dans des tournois, dans des gros tournois aussi. Oui. Fait tu sais, c'est des bonnes listes, c'est sais, des bons joueurs. Absolument. Je pense qu'ils qu vont faire du bruit. Là, ça va être, ça va être, euh, j'ai hâte de voir là, qui va sortir du pot, tu sais, là-dedans. Là on oublie d'autres bons joueurs, tu sais, Olivier Gandway, Jordan Duncan, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont fait leur ouais. preuve. Mm -hmm. euh, avec des, des, des bonnes positions dans le passé qui vont lutter là, pour vrai euh, Order, là, ce ne sera pas un prix facile à aller chercher, je pense. Effectivement, effectivement, Ça va être très dur. Donc euh, cool. On va passer à notre euh, Chaos. On va aller dans nos listes Chaos euh, maintenant. Euh, ouais. Je vais commencer, écoute. Euh, j'ai une liste. J'espère euh... que tu n'as pas pris celle que j'ai choisie. Est-ce que c'est une listener goal? Ben là, c'est sûr que t'as une chance euh, sur deux. Bah, spoiler hein. alert, il y a beaucoup de listes Nurgle. Euh, J'avais la liste ici de Lionel Miranda. Ah ah <laughs> On a la même, nice. <laughs> c'est mon pick, c'est mon pick. Euh, la liste de Lionel, euh, quand même. Oh, c'est assez flou ici, c'est grave. On va gérer ça. Mm. Euh, si vous aimez les Beasts of Nurgle, vous allez être servi. Vous euh, voyez, il y a quelques Beasts of Nurgle. Et là, je continue à descendre. Je continue à descendre. Je continue à descendre. Et ça finit avec 3 d'anglais. 11 Beasts of Nurgle, <laughs> euh, Quand même. On y va. 12, On y va 12. 12. 12. Un, un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 Beasts of Nurgle, My bad. OK, OK. Euh... Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Beasts of Nurgle, Pour ceux qui ont joué contre. Euh, c'est pas plate, ok? Quand on, les, euh, quand on les fait charger, font des mortels. Euh, c'est 8 wounds avec un 5 plus ward. Donc généralement, c'est à peu près 12 wounds pour les coucher. C'est pas évident, puis c'est le genre de liste que c'est tout du minimum 16 units. Vous ne voulez pas, c'est un modèle chaque. Donc vous allez très facilement. Euh, waster du damage dans une base of Nergal que vous auriez pu mettre ailleurs. Des fois, vous n'allez pas en mettre assez, vous ne la tuerez pas. c'est pas une liste facile à dealer avec, facile à gager. Non, ou tu, peux, tu peux charger, juste un petit coin d'unité pour minimiser le nombre de répliques. T'sais, tu retraites, tu, ouais. tu, 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 tu liches les Mortal Wounds. Mm -hmm. ah non, c'est cool. J'ai vraiment hâte de voir celle-là. Une game, cette liste-là, contre la liste de Saline ce serait cool. Oh, oui, c'est vrai. Je que, que je vais rester Les gros Magma qui stampent. Des, euh, des Beasts and Nurgle à gauche et à droite euh, puis c'est une qui va vraiment prendre le contrôle du board mettre des Beasts un peu partout qui, qui vont pouvoir aller gosser aussi le backboard essayer d'aller chercher des objectifs peut-être loin même chose pour les Nurglings qui selon moi sont, sont un staple des listes Nurgle juste pour aller chercher nos points euh, de, de, de summoning mais en même temps vont juste être complètement gossants là, dans le backboard mm -hmm. et en plus dans cet aspect contrôle là on a Belacor en allié aussi qui vient faire ce que Belacor fait euh, C'est-à-dire shutdown une unit pour un taux possiblement deux tours. Euh, donc euh, on a une belle synergie ici là, quand même. Là. Euh, très solide. J'ai hâte de voir. Euh, je sais que Lionel a joué beaucoup cette liste-là. Là. Euh, donc j'ai hâte de voir quest ce qu'il est capable de faire avec ça. Euh, surtout dans la méta actuelle. Là. Ça va être intéressant. Ouais, cool. Ça va être intéressant. Euh, je t'ai volé ta liste, Alex. Je sais pas si tu oui. en as euh, une autre. Euh, wow, oui, oui, quand même d'autres. J'ai ma job. On t'écoute. Ah, quand même. Ben, J'ai un petit homer pick. Je vais, je vais prêcher pour mon, 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 mon boy de Trois-Rivières. Mon petit tu sais, reddit. Simon Côté. Oui. Euh, Simon, qui est le seul joueur Slave of Darkness et mm -hmm. le seul archaon mm -hmm. du tournoi, quand même, qui l'eût cru en début de V3. C'était archaon par-ci, archaon par-là. Là, on a un seul archaon. Um... Mais j'ai joué contre cette liste-là la semaine passée, puis tu sais, je vois beaucoup, beaucoup de potentiel. Oui. Ça ressemble un peu à la liste qu'on a jouée aussi contre euh, il y a de ça quelques semaines. Oui, euh... exact. Ouais. Très, très similaire. Mais en fait, je pense que c'est quasiment la même chose, en fait. Euh, le... Ah, bon, le, change, Demon... En le Demon Prince, je ne l'avais pas non plus. n'y pas le Demon Prince. J'avais un, un Chaos Lord pour faire attaquer Arkhan deux fois. Oui, 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 c'est ça, Donc... exact non fait tu c'est une liste qui tu hallucinant le nombre de buffs puis de rerolls puis plus que tu peux vraiment aller chercher une quantité phénoménale de de façons de fidéliser ta liste fait que ça c'est vraiment cool on ouais. demeure Archaon. le Demon Prince peut vraiment vraiment faire chier tout le monde mm -hmm. euh, puis tu sais deux packs de trois Vanguard là ça peut ça peut décharger du dommage ouais. quand même solide puis j'ai l'impression que c'est dans les genres de listes actuelles dans le méta actuel c'est le genre de liste qui pourrait se faufiler un peu. Mm -hmm. Sinon, c'est un mm -hmm. bon joueur. Euh, je pense qu'il va être capable là, de. Je pense qu'il a joué quand même plusieurs parties euh, ces derniers temps là, pour se, se remettre à jour un peu. Là, pis, mm -hmm. je, 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 pense, je pense que ça pourrait surprendre. Je n'aime pas ce build-là. C'est très, très, c'est très, très swingy. Si tu capable de vivre avec les Varangards, si tu as beaucoup, beaucoup de blessures mortelles, ça peut être difficile. Mais sinon, ça peut tellement tanker ça peut tellement frapper. Mm -hmm. Fait que, ouais. Moi, c'est une un petite liste de fans que je trouve que tu as eu. Deux mm -hmm. packs de 8 Iron Golem là, pour 75 points. Là. Oui. Là, marqué de là. Très tanky. Tellement bon. Très là. tanky. Non, c'est ça. Oui, oui la méta a évolué. On a des livres maintenant qui, nous... euh, qui ont accès à beaucoup de dégâts, beaucoup de potentiel de dommages. Donc, ils sont capables de tasser Archaon. Mais, effectivement, c'est pas toutes les armées qui sont encore capables non. de faire ça. Puis, on s'entend un tournoi, un aussi gros tournoi comme ça, à 120 joueurs, euh, 5 mm -hmm. games. Euh, Il y a beaucoup d'emphase qui est mis aussi sur le parcours que vous allez avoir. Ça se peut que vous pogniez des très bons match-up, et je verrais très bien cette liste-là, euh, ce, comme tu le dis, se faufiler, euh, être capable d'aller chercher les wins qu'il faut, puis se rendre jusqu'au top avec ça aussi. C'est très, très, très faisable. Donc, euh, je pense que c'est encore bon, puis on. Euh, um, Host of the Ever Chosen a quand même l'une des habilités les plus fortes du jeu au complet c'est-à-dire savoir savoir qui colle ou non là. savoir si on a un double tour ou pas je veux dire quand on utilise cette habileté-là et qu'on a un peu de chance qu'on finit par avoir le double qu'il nous faut mais quand on le sait qu'on a le double on, on, c'est pas, pas compliqué là, notre tour là. on sait tout de quoi faire mm. là. Euh, donc oui, ça requiert un peu de finesse, mais une fois qu'on a appris à jouer avec cette technique-là, avec cette, euh, cette euh, mécanique-là, ça peut être très, très, très fort. Très, très fort. Exact. Super, super. J'aime beaucoup la liste. Effectivement, j'ai hâte de voir ce que Simon va pouvoir faire avec ça. Euh, <coughs> de mon côté, j'ai. Ben, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. On a... Trois joueurs Beast of Chaos euh, <laughs> qui jouent dans le tournoi. On aurait dû en avoir quatre, Zary. On aurait dû en avoir quatre. <laughs> je les aime d'amour. Donc, je suis allé avec la liste de Matt Kowalik. Euh, mm -hmm. Pour illustrer un peu. C'est un peu le genre de liste que je joue en Beast of Chaos. C'est le genre de liste qui a très bien performé à travers le monde en ce moment. Donc euh, on a des Dragon Ogres, Battle Battleline très solides, très dur à tasser. Euh, et on a des Zengar Enlightened et des Zangar Skyfire. Donc, le rend additionnel que Base of Chaos sont venus chercher avec la nouvelle Hearthstone, ça l'a fait une grosse grosse différence. Et certaines unités comme les Zangar sur disque ont la rapidité. Ils sont quand même tanky, ont quand même 4 wounds par modèle. Euh, donc, capables d'aller chercher ce qu'ils ont besoin de tasser avec du gros rand, du gros dégât. Les Skyfires peuvent même reroll quand ils attaquent en premier. Et ils vont facilement bénéficier euh, du Rally sur du 4, donc un paquet de 6 Enlightened à tasser, c'est quand même 24 Wounds. Euh, et si vous ne réussissez pas à tous les tasser, ben, ils en ramènent sur du 4. Donc, il faut vraiment s'assurer de finir ces units-là, sinon ça va nous revenir d'en face. Et base of Chaos sont l'un des meilleurs summonings du jeu au complet. Mm -hmm. Donc, vous, vous allez juste continuellement essayer. D'effacer de, de, une threat après une threat, c'est comme des vagues qui vous rentrent dedans euh, qui sont pas évidentes nécessairement à tasser. Donc, euh, très solide, j'aime beaucoup euh, la liste ici de Matt, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ça. Euh, c'est beaucoup de wounds quand même, là. Euh, 133 wounds, on... si on avait plus de Dragon Ogres, les wounds commencent à monter, euh, mais là on est de la qualité quand même avec les Zengars sur disque. Là. Euh... Okay, ça, bon. euh, donc, ouais, j'ai hâte de voir le Wildfire Taurus aussi, qui est un excellent de spell. Pouvoir donner fight last à toutes les unités en donnant de 3 pouces, euh, c'est vraiment très 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 bon. Et ça permet de, des unités, justement, de gang up sur une unité ennemie et d'être certain de la tuer avec, euh, avec leur gros rang. Donc, euh, solide, solide. Euh, j'ai hâte de voir Matt où est-ce qu'il va s'en aller avec ça. Euh... Prochaine liste, Alex Oui, bien, j'ai une dernière, parce que ouais. j'ai ai sorti trois, là. trois. Euh, c'est le liste, c'est la liste et le joueur en tant que tel. On revient vers Nurgle, c'est normal, il y a un nombre assez élevé de joueurs de Nurgle. Et je vais avec un joueur aussi euh, assez connu, qui a eu beaucoup de succès, avec Carl Hung, un des gars de Season ouais. of War. Euh, donc, une liste uh, Drummen, une liste axée sur les, sur les uh, Post-Gold Blight Lords. La version Nurgle des, de ton ami dragons, dragon, vu un petit peu en fait tout ça. Donc, avec un Great Unclean One, avec un Lord of Reflection, Lord of Reflection avec euh, trois unités de, 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 Blight, de Blight Lords, un à single en plus, puis un bon mur de Flake Bearers par la suite de 20 Flake Bearers. Mm -hmm. Ça bouge, ça frappe, puis ça encaisse. Pis ça va être, je pense, une liste qui, qui est très, très permissive. Euh, une liste qui peut, qui peut aller chercher les objectifs puis qui peut les garder, euh, qui, va être, qui va être tanky. Euh, honnêtement, là, je pense que c'est une liste qui est un, est un joueur aussi qui, qui est très très accompli aussi. Là, pour l'avoir affronté dans une des parties peut-être les plus serrées à vie que j'ai jouées euh, il y a quelques années, tu sais, c'est un, un joueur qui ne fait pas beaucoup d'erreurs. Mm -hmm. C'est un, un joueur qui, qui, joue, qui positionne très bien ses modèles. Puis avec cette armée-là, il est capable de faire payer les joueurs qui font des erreurs. Fait que moi, je pense que c'est un joueur à surveiller, c'est une liste à surveiller aussi. Carl, qui dans les derniers mois a joué beaucoup de, de Nurgle. Euh, puis il était quelque chose comme 6-0 avec cette liste-là. Là, mm. euh, performait très très bien. Là. Euh, on a une autre liste aussi, euh, mention à Mitch Quadja, euh, qui j'ai mm. joué déjà oui. euh, contre lui sur TTS. contre sa liste de deux Lord of Afflictions et. Que mmh. des post-gold Lords après. Euh, c'est pas une liste évidente à gérer, surtout quand on sait que les post euh, peuvent aller en réserve avec les Lord of Afflictions. Donc il peut effectivement euh, null deploy, basically. Euh, c'est pas évident pour certaines armées à délai et ça vous arrive d'en face et c'est dur à tasser après ça. Donc on a un peu le même style ici, mais cette fois-là, on a le Great Unclean One avec le mur de Plague bearer qui fait très bien la job aussi. Euh, donc mmh. euh, ça va être intéressant de voir on a, vous allez voir à la fin là on a beaucoup de mouches on a beaucoup de mouches dans ce mmh. tournoi effectivement, ouais. beaucoup de mouches dernière liste chaos que je voulais souligner euh, c'est mon left field pick je ne pouvais pas ne pas le mentionner euh, il travaille fort euh, il travaille fort sur son armée puis euh, ben, il fallait, fallait que je le souligne. C'est Kevin lui-même. Kevin avec ses Blades of Corn qui vit euh, encore dans le passé. Euh, <rire> euh... <rire> euh, avec ses Reapers of Vengeance, on a. Euh, des blood, blood, Bloodthirster et Scarbrand qui fait son apparition. Puis à noter qu'on a deux joueurs cornes euh, dans le tournoi et les ouais. deux jouent Scarbrand quand même. Ouais. Euh, donc, euh... il y a plus de Scarbrand que d'Arcaon. Effectivement, effectivement. Euh, Scarbrand est là. Scarbrand va se fâcher, va faire des mortels. Et là, ben, clairement, la liste, on a le Slave Darkness Demon Prince aussi. On sait ce qu'il fait très tannant. On a la Crimson Crown sur le Bloodthirster of Unfettered Fury, ce qui veut dire qu'il peut utiliser ses commentabilités gratis euh, à chaque round. Et puis lui, ben, il donne le pile-in de 6. Donc, il y a des petits techs à faire avec ça, très, très, très intéressant, euh, Et on a plusieurs unités qui sont là pour mourir, pour screener et pour mourir, aller chercher des blood tight points. Euh, et c'est grosso ouais, modo. Korn, Korn c'est une armée, bizarrement, on, a, ouais. on pourrait penser que c'est une armée de team brainless qu'on charge. Mais au contraire, Korn, c'est une armée, oui, de combat, mais c'est une armée de finesse aussi, là. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de tricks à faire, puis clairement, c'est ça qu'il veut faire. Puis tu sais, Kevin, c'est un très bon joueur aussi. En fait, il n'a pas été au clash l'an passé, mais le deux ans, il avait remporté Best aussi. Fait tu sais, c'est quand même C'est un adversaire à surveiller. Avec une armée de corn, en plus. Oui, c'est ça. Avec une armée de Korn, avec arcan aussi. Mais tu sais, c'est sûr que corn, je pense qu'en V3 présentement, ça va être difficile. Mais c'est un bon pick, c'est un bon left field pick, je suis d'accord. Peut nous surprendre, peut sous-mariner jusqu'à la fin. Euh, on lui souhaite bonne chance dans son round numéro 1, dans son match de round numéro 1 contre David Bellumeur, euh, Oui, qui joue une liste assez narrative aussi. Euh, assez narrative. Ouh, effectivement. Oui, David, c'est <laughs> <du jeu> narrative. <laughs> Donc, euh, bonne chance, Kev. On, on te la souhaite. On te la souhaite. Let's go. Bourrin pingouin. Right. J'ai fait mon petit euh, mon petit encouragement. On me paye. Ah oh, oui, classique. Euh, passons maintenant à Death. La, la, la Grand grande alliance avec le moins de, de, de représentation euh, c'est toujours le cas oui puis selon moi c'est pas euh, euh, pardon d'après moi il fallait s'y attendre en fait là, je veux dire avec euh, comment, que, comment que la, la, la faction va s'étendre ces c'est très difficile puis euh, ben j'ai une liste ici peut-être qu'on pourrait commencer je suis allé avec un gros nom Ouais, ah, tu voles encore ma liste? Tu te voles ta vol as liste? Asti, j'aime ça. Mmh, oui. euh... <laughs> oh, essaye donc, Alex. Et le gars, le gars m'invite à son show pour me voler tout mon punch. <laughs> <J 'ai>... <rire> <rire> Et tu, euh, Alex, euh... tes jeux-là, je pense, juste ta caméra, si tu veux essayer de désactiver ta caméra puis de réactiver. Oh. On va voir si ça règle le problème. Oui. Euh, Ou c'est mon bord qu'il faut que je le fasse. Ça, un petit Non, ça doit être juste mon bord ici. Deux petites secondes. Mais est-ce que tu m'entends pareil? Oui, ça, il n'y a pas de problème. Bon, ben, ouais, à la limite, si tu m'entends. Bon. Pas tant rien. Ok, c'est bon, c'est revenu. Super. Ok, <coughs> donc. Ben, je n'avais pas le choix, écoute. Euh, on a le, 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 le finaliste euh, de, du Las Vegas Open, euh, Levan Seshiniva, mm -hmm. qui va être avec nous avec ses Soul Blight Gravelords. Euh, J'avais pas le choix de showcase mm -hmm. la liste. Un excellent joueur euh, qui connaît très très bien. Est-ce que c'est la même liste que, que, que du Lévillon Ou de tweaker un peu Il me semble qu'il avait plus de zombies que ça. Ouais, euh, ouais. Mais je pourrais pas dire à 100%. Là, euh, je pourrais pas dire. Il me semble qu'il y avait deux paquets de 60. Mais là, encore là. Dans mon souvenir, c'était ça. Ouais, c'est ça. Mais bon. Euh, Soul Blight qui. Euh... Est l'une des, 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 des factions bien représentées, quand même, malgré que Death est la moins, euh, moins grande représentée des, des Grand Alliance. Soul Blight reste euh, l'une des factions les plus représentées de tout le tournoi. Et là, on a une liste Virkos euh, avec des zombies, les Deadwalker zombies, bien entendu. On a aussi le Big Drug Ford Kika, donc un, un méga gargant en mercenaire euh, qui peut quand même être euh, une autre source de rend et euh, ben, c'est beaucoup de wounds à tasser aussi. Donc, euh, pas nécessairement facile à dealer. Surtout quand on a le. Est-ce qu'il joue encore le Vengorian Lord oui, oui, il joue encore le Vengorian oui, Lord. Oui. Euh, qui vient réduire le renne de 1 à l'entour de lui. Ce qui peut être très très dur euh, pour certaines armées à dealer avec aussi. Là. Euh, donc, euh, très très bon. Soul Blade, qui selon moi sont super bien positionnés dans la méta actuelle. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un, un, un deep run de, de Levan ici avec sa liste. Euh, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord ouais ben écoute, moi, ben puis en plus, c'est ça, au-delà de la liste, c'est aussi joueur, mm -hmm. Tu sais, je veux dire, on, mm -hmm. on, on sait qu'il qu qu a, qu a prouvé quand même, là. Oui, oui, oui. Euh, moi, écoute, j'y vais avec euh, tu sais, c'est sûr, que je ne te cacherai pas, c'était mon pic aussi, là, de, tu sais, oui. je pense qu'il y a 10 listes, il y a 10 listes Death. ouais c'est ça. D'ailleurs, d'ailleurs, on s'entend, c'est, il y a la seule armée, la seule, le seul tomb qui n'est pas représenté, c'est Death. c'est Nighthawk. Oui, euh, Donc, quand même, là. Euh, mais je vais avec un homer pick aussi. Mm -hmm. euh, moi, j'aime ça parler des homer pick. Je vais avec mon pote de AOS Geeks, avec oh, Vincent Pierre. Yes. Euh, donc, une liste, euh, une liste, je trouve vraiment intéressante. Puis, je pense qu'il commence, il, il pique au bon moment. Euh, au lore Master, au dernier lore Master, il, il était 3-0. Euh, Puis, je pense qu'il est sur une bonne run. Puis, je pense qu'il commence à, à maîtriser de plus en plus sa liste. Euh, pis c'est quand même pas triste, c'est Vordray classique. On... Manfred, Manfred oui. aussi qui, qui a plusieurs plusieurs techs avec lui qu'on qu peut faire. Oui. Le Vampire Lord, le sais c'est les classiques Gorslav aussi mm -hmm. pour ramener des zombies, c'est classique aussi. Euh, petit son Battle Line, c'est deux fois 40 zombies. Il y en a du Wound, puis il y en a du Bodies, puis c'est ça. Des, oui. des zombies, c'est. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire à quel point c'est bon dans une liste sur Blight. Mm -hmm. euh, 5 Blood Night pour un petit peu de punch, puis 10 Direw, Wolf, dire Wolf c'est très bon aussi, mm -hmm. du mouvement, quand même, des wounds. Euh, non, en je pense que c'est une liste qui est quand même qui, qui, qui est bien construite, euh, qui, qui est solide, qui n'a pas de grand lacunes. Euh, ouais, c'est ça. Fait que moi, je, pis, Vincent, c'est un joueur qui, 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 qui cérébral, est cérébral, c'est un joueur qui, qui réfléchit ses affaires, qui prend son temps, mais qui, qui est capable oui. de. Qui, fait, qui minimise ses erreurs comme ça. Mm -hmm. Je pense que Vincent peut faire un, un, un bon score sans faire des. Ce pas, pas un gars de 20-0, Vincent, généralement, parce que c'est parti. C'est un, un gars qui joue la longue game, pour citer Just. Mais je <laughs> pense qu'il est capable de faire des bons scores et de minimiser ses mauvaises parties. Fait que sur un tournoi de 5 parties, je pense qu'il est quand même capable de faire du oui, bruit un peu. Absolument. absolument. Euh, Vincent Pierre qui est dans le chat et qui dit si je peux juste finir de la peine, ça devrait bien aller. <rire> <rire> Pas mon problème. Va peindre, Vincent Va peindre <laughs> euh, Mais oui, honnêtement, très très bonne liste. Euh, on continue, tant qu'à être là-dedans, avec les Soul Blight Gravelords. J'en avais une dernière aussi. Euh, et c'est celle de David Tremblay. Et là, on est ailleurs oui. complètement. Euh, on est dans la Castellite Dynasty, encore une fois aussi, mais on n'a pas le même genre de liste Soul Blight. On est ici avec du Punch. On est euh, vraiment pas dans la subtilité. Donc, euh, Prince of le Vampire Lord sur Zombie Dragon, un autre Vampire Lord. Et on y va avec Blood Knights, Blood Knights, Blood Knights, Blood Knights. Euh, et des Death Rattles Skeletons pour compléter aussi. Si vous aimez les RPG, euh, jouez Castellite Dynasty avec des Blood Knights. Vous allez level up à chaque fois que vous tuez des unités. Toujours très plaisant. <laughs> Donc, euh, euh, j'aime ça parce que justement, ça, ça showcase un peu. Le livre Soul Blight est quand même un livre très 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 deep, très profond, et on est capable d'aller faire des listes euh, super contrôle le board avec plein de zombies, plein de wounds sur la table, ou on est capable d'aller faire des listes comme ça euh, que c'est un point qui tremble dans la face et euh, c'est assez solide aussi. <laughs> yeah. Agreed. Ben, je veux dire un, un Vordray puis un Vampire Lord sur Zombie Dragon qui se tag team pour te rentrer dedans, euh, faut faire attention. Il faut ouais. faire très 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 attention. Tout à fait. fait. <laughs> Mais écoute, c'est plat parce que il y a quand même 7 des 10 des Soul Blancs. Il, il y a deux aussi arcs, puis il y a 1 aussi arc il de a coups. Un... Mais ce qui est juste dommage un peu, c'est que ces listes-là, euh... je ne pense pas qu'ils sont, qu sont prêtes à affronter des grosses listes. Mm -hmm. Je pense qu'elles sont... sont trop limités mm -hmm. euh, dans leur façon de faire. Fait malheureusement, je pense que Best Dead, ça va rester avec les Soulblades. Je pense aussi, euh, effectivement, que ça va rester là-dedans. J'avais quand même une liste, je pouvais pas ne pas shout-out une liste aussi arc, euh, Bone Reapers. Donc, je suis allé avec la liste de euh, p -p -p Maxime Bouchard euh, avec sa liste Mortis Praetorian, juste parce que j'aime ça avoir le combo Catacross avec Arcane. Ouais. Euh, très solide, Catacross qui avait eu un petit ajustement euh, de points peut Être très intéressant mm -hmm. avec euh, ce qu'il fait là, quand on, quand on s'attend pas à jouer contre Catacross, ça peut être très très fort. Et là, on a beaucoup de units on a les 20 mortex 10 Mortec, 5 De Riders et deux paquets de 3 Necropolis Stalkers qui peuvent quand mm -hmm. même faire euh, pas mal de dégâts si on fait pas attention. Et un Mortec Crawler qui est, qui est rendu une pièce tellement swingy, là. ça se peut qu'elle fasse absolument rien, comme vous mangiez 10 wounds de. Euh, Sorti de nulle part <laughs> À 36 pouces de ring, tu sais, C'est <laughs> quand même solide. Euh... Puis oui, c'est ça. Je vois le, le, le... Vanessa qui dit catastrophe qu il suffit de le tuer tour 1. C'est jamais aussi facile qu'on le pense. <laughs> à 20 wounds comme ça, surtout s'il y a eu le temps de jouer avant et de faire son plus un de save à grandeur du board. Hashtag Vincent Pierre. Hashtag Vincent Pierre là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. <laughs> Donc, euh... j'aime beaucoup le long de l'année aussi, Katie et ses amis. Euh, Ami oui, avec e S même. là, donc euh, clairement on a Lady's Night ici dans cette liste. Là, ça se passe. Là. Euh... Avec un son sucré d'or. <laughs> fait que j'aime beaucoup. Je peux pas passer à côté de ça. Euh... Donc est-ce que ça termine dette pour nous, euh, Alex ouais. Pas... Ouais, Ça termine pour nous. Super. On va passer à la dernière. Grand Alliance et ses destructions. Et là, euh, ben, pour ne pas risquer de te voler une liste, je vais, je vais te laisser débuter. Euh, Peut-être tu pourras m'en voler une. Ben écoute, je vais en prendre deux, hein, parce oh. que tu m'as volé deux fois, oh, là. Je, je, je vais t'en prendre deux, je vais, en avoir, je vais en avoir une liste, euh, tu je dirais, peut-être plus, euh, un, un joueur, je pense, qui va bien tirer sur les paniers de jeu, puis un, un, petit, un petit pic euh, du, du champ gauche aussi pour moi, si tu me permets, là, euh, je vais commencer avec un gars de ton hood, oui. avec euh, Gabriel Samson. Oui donc, une liste Blood Donc, Blood je pense que c'est pas mal de way to go euh, présentement. Mm -hmm. euh, Puis, c'est une liste, je pense, qui est même copiée-collée, en fait, d'une autre liste de nos joueurs dont j'ai oublié. Là. Mais pour moi, c'est pas, euh, pas mal la liste c'est un, un de mes picks l'autre liste c'était Joe Pagano et j'aurais mentionné Gab en maintenant en même temps oh. donc je suis content qu'on le fasse euh, effectivement je pense que c'est de liste en ce moment à Iron Jaws oh, quoique oh, ouais. d'autres configurations sont très 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 faisables mais celle là parce qu'il a été vu à travers le monde là. deux, deux ouais, Mark Crusher parce qu'elle bouge ouais. très 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 Tu t'as deux, deux Mark Crusher un avec le Destroyer pour l'extra dommage qu'on a besoin avec Fast On donc qui peut ouais. vraiment aller où est-ce ouais. qu'il veut le tour qu'il veut ça, c'est très, très bon. On va avoir deux War Chanter, bien évidemment, pour la charge à 3D6, oui. et ainsi de suite. On va avoir quatre packs de trois Gorgranta. Fait que des packs de 3. C'est euh, juste au niveau de la, de la cohésion d'unité. C'est parfait. Ça bouge vite, ça peut frapper. Tu oui. euh, t'as as assez, tu peux quand même euh, bien, bien choisir qui tu veux. Faire bouger avec ton Mighty Destroyer. Euh, non, pour vrai, un. 1960 points en plus, tu as une bonne chance d'avoir un triomphe aussi. Mm -hmm. Moi, pour vrai, cette liste-là, je pense qu'elle peut faire très, très bien. Là, c'est limitations, bien sûr, là, mais oui. tu sais, oui, oui. de peu brutalité et de mobilité, c'est dur à battre. Absolument. Absolument, on a, on a une star dans le chat ce soir, Ridge of Sigmar, qui dit bonsoir. Ooh. Just wanted to pop in to say hello and can't wait to see everyone this weekend. A lot of nice narrative lists I see. <laughs> nice to have you, Ridge. Can't wait to see you this weekend. It's gonna be awesome. <laughs> uh, yes, yes. Um, effectivement, Gab qui rappelle l'imitation contre les dragons. Fun fact. On s'est pogné contre, en fait, de passer au petit tournoi au Bastion, moi et Gab. C'est la première fois qu'on jouait le match-up. On voulait de toute façon jouer le match-up. Et euh, je n'ai jamais autant sacré une volée à quelqu'un dans Age of Sigmar. Je, je, je l'ai laissé commencer. Euh, il a bougé ses affaires. Était, on était trop loin. On était dans un déploiement d'un coin. Euh, et après ça, ça tour 1, j'ai tué un macrochat. J'ai doublé. Tour 2, j'ai tué l'autre macrochat. Euh, à la fin de mon tour, et donc le début du tour 2 de Gab, il lui restait 3 cochons, 2 warchunters euh, et le shaman. That's it. <laughs> C'était nice. ça. C'est ce qui est arrivé. <laughs> donc nice. euh, Gab espère beaucoup euh, qu'on ne se rencontre pas dans le tournoi, effectivement. <laughs> euh, beaucoup ouais, beaucoup de listeners. Mais c'est narratif aussi, là, je veux dire. Euh... Il y a une histoire à quelque part oui, oui. là-dedans. Là. Merci. Oui, oui clairement, 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 clairement. clairement. Gab Bonne qui histoire. dit que c'était plaisant. Vous voyez, il y a eu beaucoup de plaisir, lui aussi. J'en suis ah, certain. C'est <laughs> Donc, euh, beaucoup d'Iron pis... Jazz en fin de semaine. Ça va être bon. Là. Oui, puis je vais. Mon, mon pic du champ gauche, écoute, là, Homer Pick. Mm -hmm. vas mon, 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 mon pote Yann. Uh -huh. Mon pote Yann qui a, qui a triomphé au troisième Lord Massive, avec cette liste-là. Oui. Euh, qui a fait. Avec des cruel qui sont, les Cruel Boys, on s'entend, les Cruel Boys ne sont pas dans le top méta, mais qui a quand même fait 3 fois 20-0. Oui. Euh, avec cette liste-là, c'est une liste une liste MSU euh, de Bull Boys. Donc, Yann euh, est un fervent fan du Matt Hammer. En fait, les stats, puis je pense qu'il a reviré sa liste de toutes les façons possibles, euh, mais sa liste, en fait, est, est basée sur essentiellement deux grosses pièces, Kragnos, on s'entend, qui Kainos étant un, une brute, euh, sur son, son Sludge mm -hmm. Raker, donc, et ses Got et qui peuvent tanker les wounds à cause des goméniacs, euh, mais aussi sur des petites unités de Bold Boys. Donc, la plupart des joueurs des Bold Boys, on a vu, c'est des unités de 6, des unités de 9 avec le chaman pour oui. les buffer. Mm -hmm. Lui a dit, ben, j'aurais pas de chaman, genre plus de Bold Boys, puis tu sais, je vais les spreader. c'est la tactique MSU, c'est-à-dire, euh, garde, euh, oui, ce, si tu me pinces mon unité, j'en perds trop ma d'eau. Dans qu'il m'a mon unité de neuf, ben, mais elle n'est plus. Fait que tu sais, je sais qu'il a oui. longtemps, il a essayé de trouver le bon mix, puis je pense qu'il a trouvé, avec ce qu'il veut faire, le mix qui lui plaît, puis qui... avec lequel il est à l'aise. Mm -hmm. Puis mm -hmm. euh, je pense qu'il est en train de développer des, des, bonnes, des bonnes stratégies avec, puis il joue bien. Euh, puis comme de fait, là, il a été invaincu là, 3 fois 20-0 euh, au dernier Lord Master, fait que c'est quand même, très, très cool. même un très bon résultat. Oui, très solide. Puis on a Kragnos, je veux dire, qui s'en va en avant dans ouais. le tas faire ce que Kragnos fait si bien pendant que le reste tire en arrière. Très, très bien. Kragnos cool. et le Sludge Raker, est pas possible. Oui, aussi, à mentionner, effectivement. Euh, le Sludge Raker avec le Nasty X, ça peut être très, très, très intéressant. Um, on a Mouche dans le chat qui dit I'm so excited for this event, I don't understand a word and still watching. Hey, I, 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 <laughs> I realize we have a lot of uh, English speakers in the chat. Welcome to you all. Well, that's nice. I'm glad to have you with us. Uh, I'm, it's going to be a blast this weekend. Can't wait to meet you all. And uh, you're welcome to stay even if you don't understand a word that I'm saying. Uh, just know that I love you and I want to kiss you everywhere. Ok, donc ça va être très cool, très cool en fait cette semaine. On aura du monde de partout, tant de love, ah oh, ouais, du love à partout. Très content de vous avoir, tout le monde ce soir. Euh, on est rendu à 61 viewers, c'est l'affaire. Euh, je veux dire, oh, il y a du monde. C'est du jamais vu pour vrai. C'est du jamais vu dans le chat. Merci à tous d'être là ce soir. Très content de vous voir. Euh, je fais mon petit sellout. Si c'est pas déjà fait, lancez-moi un petit follow. Euh, give me a follow on the channel euh, Ça m'aide toujours, ça m'encourage à continuer de faire ce qu'on fait Puis on a beaucoup de plaisir avec ça Donc euh, je suis très content de vous voir ici Il y a du peep ce oh soir euh, Puis euh, si en plus vous voulez encourager le channel ben, Je fais encore plus mon salade Puis vous pouvez vous subber euh, Ça me permet d'upgrader l'ordinateur Ça me permet aussi de, de faire avancer le channel finalement Puis euh, on est à 7 subs D'avoir le, le, le 12 hour stream Avec des games de Warhammer euh, Du hot tub action euh, donc, euh, qui sait, qui sait, on pourrait peut-être se rendre là. Ouais. Euh, ok, donc, destruction, on achève destruction. Euh, ça, c'est beau. J'avais un chantant à faire à. Ta -ta -ta -ta. Eu, 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 la liste. Euh, Michael Simeon, la liste Bone Splitters. Euh, si vous voulez la voir en action, d'ailleurs, il y a eu un, le, le, le Battle Report de Season of War de cette semaine. Euh, et la liste est featured. Et c'est une liste avec 189 wounds. Okay? C'est pas toutes les listes d'Age of Seymour <laughs> qui se rendent à 189 wounds. Et il y a de l'orc vert, mes amis, sur la table. C'est l'enfer. On a des... Euh, Wirger, on a un Prophet qui fait très très peur avec son masque. qui peut vous zapper. On a des cochons. Beaucoup de cochons et on a des big Stabuzz aussi. Euh, très, très, très intéressant. C'est une liste en plus en Ice qui peut faire des Mortal Wounds quand même aussi. Euh, donc c'est très très dur à tasser. C'est des vagues après vagues qui vous rentrent dedans. Et c'est 189 Wounds avec un 6 plus ward. Et la possibilité mm -hmm. une fois par game de le transformer en un 4 plus ward. C'est fou là. C'est très, très dur à tasser. C'est pas toutes les armées qui sont capables. De tasser ça. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Il va s'asseoir. Il va s'asseoir à ses objectifs puis il va dire tassez-moi. Puis vous n'allez même pas vous rendre jusqu'à jusqu la moitié du terrain, possiblement. C'est très dur. J'ai hâte de voir, euh, Mike, euh, Mike, où est-ce qu'il va se rendre avec tout ça? Très, très cool. Oui, pour vrai. Je, je suis très curieux, effectivement. Euh, As-tu une autre petite liste pour nous euh, de ton côté? Oui, j'en n'aurai petit... une troisième. Vas-y bah, donc. J'en n'aurai une troisième. Euh, je vais aller avec Martin souci. Un gars de Sherbrooke, un bon, un bon Jack, euh, qui joue Auger More Tribes, donc Boulderhead. Les trois joueurs More Tribes sont Boulderhead. Oui. Euh, C'est une liste qu'on avait ai dit, un peu à West Geeks, oh, le back in the days, un peu Faction Focus, quand le, la mise à jour de Crackdown s'est sortie. Puis lui, il a joué, bon, tu sais, il joue Crackdown. Avec deux, deux, euh, deux Frostlords. Oui. oui. Euh, C'est la violence. Le là. Monster Truck Package. On aime ça. ça. Oh, ouais, C'est pas tout le monde qui peut encaisser des, des, des Frost Lords qui chargent à 3D6. Euh, <laughs> c est, c est, ça fait juste très très peur. C'est juste la, la perspective de lancer 18D pour mm -hmm. des Mortal Wounds quand mm -hmm. tu charges. C'est quand même intéressant. Euh, puis avec un euh, Ice Brunter pour avoir les Frost Sabers en Battle Line, pour avoir le le moins de, 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 de stock possible là, euh, en Battle Line. Puis deux Mornfang. Mm -hmm. Fait que sûr, on s'entend que l'armée, c'est puis c'est deux Frostlord. Le reste, c'est juste là, c est, c est, c est du filler. Là. Mais je l'ai affronté, pas cette version-là exacte, mais j'ai affronté une version, ouais. là, ce qui est similaire. Puis euh, écoute, ça m'a pris toutes mes buffs défensifs pour ma grosse unité pour encaisser les trois. Mais tu sais, il n'y a pas grand-chose qui, peut, qui ouais. peut stand in the way de ces, de ces trois monstres-là. Là. Fait que euh, non, je suis curieux de voir ce que ça peut faire comme liste. C est, c est, c est, je veux dire, c'est une liste qui, euh, qui vraiment. C'est destruction pourrait et dure. Là. Il n'y a aucune subtilité ouais. ici. Là. Ça va vous charger puis ça va vous tuer. C'est très très beau à voir. Et quand ça réussit, ouais. ça réussit. Assez solide. Exact. Assez, assez solide. J'aime beaucoup. Euh, je termine avec deux, deux listes très rapidement pour destruction. Euh, J'avais pas le choix d'y aller avec le frère qui va être présent aussi. C'est Yuri Sishinava. Mm -hmm. euh, Yuri, qui est l'un des meilleurs joueurs Sons of Behemoth, euh, qui était ranked euh, numéro 1 pendant longtemps. Euh, donc, euh, qui vient jouer ses Sons of Behemoth et il a joué l'armée tournoi après tournoi. Il sait très bien la jouer et on a le classique euh, 4 méga ici avec 2 gatebreakers 2 War Stomper. Il est allé, euh, pas pour les artefacts, mais plutôt pour un Unified avec euh, Bosses of the stone donc one qui drop. Est One Drop. Très, très, très intéressant. Euh, Monstrous tough sur le Mega Gargan, sur la Gatebreaker, qui lui donne 5 wounds de plus. Et l'Arkentone pour... Bon, il a pris Flaming Weapon, mais généralement, ça va être pour le Mystic Shield. qui est Mystic très, Shield. Très, 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 très important. Euh, oui, euh, on a eu des nerfs là, pour les, les Sons of Behemoth avec euh, The Hunt. Ils sont rendus qui donnent beaucoup de points quand qu ils meurent. Mais il faut qu'ils meurent. Il ouais, y a des armées qui ne vont pas les tuer, qui ne sont pas capables encore. Là. Non, c'est ça. Il y, y a des armées, puis encore, c'est encore le cas. T'sais, oui, je pense que le plus haut nerf qui est arrivé au Sun, c'est euh, la Minute of Destiny. Mm -hmm. Donc, d'enlever le, le 5 pour plusieurs armées, mais je pense encore plus pour ça. Quand tu peux avoir 35 rooms de protéger <laughs> ouais. sur un 5, ouais. ça fait juste que ton artefact prend ouais. juste plus de valeur, je pense qu'on ne le voit plus. Fait que c'est peut-être plus aussi tanky que non. la liste était, mais ça reste que tu c'est un, un modèle que si tu veux vraiment être capable de prendre des objectifs, il faut que tu sois capable de déclarer 35 rounds. c'est pas tout le monde qui peut faire ça one shot. Il faut, faut que tu en sortes un par ronde. Tu n'as pas le choix si tu veux gagner. Puis c'est pas tout le monde qui est buildé pour faire ça. Fait que je pense que c'est encore une armée qui, est encore une fois, c'est assez lacunes. Je pense que c'est peut-être plus aussi fort que c'était, mais ça peut encore faire beaucoup de bruit. Puis ici, on a un joueur. Qui honnêtement les connaît de fond en comble. Oui. Euh, donc, si vous pensez que c'était dur à battre avant lui, son positioning avec ses gens va, va être très 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 bon. Euh, donc, Student va être capable d'aller chercher euh, des victoires qu'il peut-être devrait même pas être capable de faire. Donc, euh, c'était un de mes picks pour un très bon joueur. Yuri euh, ouais. est un gentleman en plus, donc euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire avec ça. Euh, avant de passer à la dernière liste, il fallait que je mentionne aussi WebAss qui a sub avec son Prime. Merci. Big Love. Et pour terminer Destruction, ben, euh, je n'avais pas le choix de le mentionner. On a quand même quatre joueurs Gloom Spite Gitz au tournoi mm -hmm. cette année. Alors, je ne pouvais pas ne pas mentionner un, un joueur Gloom Spite Gitz. Et j'y suis allé avec mon cœur. J'y suis ah. allé avec P.O. Savard. J'ai pas assez euh... le nommer, en plus. J'ai pas assez, mais je me suis dit, j'ai tellement fait d Pick que là, <laughs> J'en fais un pour toi. J'avais pas le choix. Euh, PO qui dit, non, 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 j'ai pas besoin de Kragnos pour faire fonctionner les Glue Spite. <laughs> Tout ce que j'ai besoin, c'est le Palooza. Euh... C'est quand même très hot. C'est très, très hot. C'est fort, Gobopalooza, pour vrai, là. c'est bon, là. Hey, écoute, pis sais tu qu'est-ce qui est fréquent avec ça? J'ai joué contre, pas tant longtemps. Ouais. Hein. Il y a tellement de bofs. ça sort de où ces bofs-là? Puis tu sais pas quoi targeter, tu Il sais, y a tellement de petits gobelins partout qui font plein de cassins que c'est top de choisir de dire Ok, je veux enlever tel bof, mais qui c'est qu'il donne? Qui c'est mm -hmm. qu'il a? Tu sais pas, ils sont tous pareils. <laughs> c'est ça. <laughs> euh, P.O. est un, je veux dire, est rendu un dieu de la faction, la joue depuis des années, c'est sa faction préférée. Il a un amour pour ça. Et il, il travaille tellement fort pour essayer de la faire fonctionner. Même si la méta est contre lui, même si son livre est dû pour une autre édition. Euh, c'est juste beau à voir. Euh... Connais-tu connais Dragon Ball, Xavier? Oui, bien entendu. Je suis un weeb. Je faire une métaphore ça, avec, avec Goku. Oui. oui. Tu Goku, il s'entraînait avec pas de gravité, peu oui. importe, pour que ça soit plus tough. Oui. Pour quand il arrivait dans des conditions normales, il torche. Oui. Fait que PO, c'est ça qu'il fait présent. Il s'entraîne avec tellement d'handicap quand il va recevoir un livre qui a de la lueur, il va tellement dominer le monde de Warhammer, ce sera même pas drôle. Oui. Non, je... Moi, je pense que c'était ça. Très PO, c'est Sangoku. P PO, qui est dans le chat, est-ce que j'ai le droit de révéler pourquoi les gens devraient aller te voir? Parce que tu dis dans le chat, je vous viendrez oh. voir. Est-ce qu'on peut le révéler mmh. en primeur? Qu Qu'est-ce qu qui se passe avec, ton, euh, avec tes gobelins? Euh, J'attends ta confirmation. Mais j'ai hâte de voir euh, comment PO va, va gérer. Puis j'ai hâte de voir aussi les autres Globe Spide je veux dire, euh, qui vont être là présents cette année. Euh, mm. Est-ce qu'ils peuvent se rendre loin dans les brackets Ça va être très très cool à voir aller. Euh, très nice. Ben tu sais, PO qui l'a passé avait bien fait au clash. Là. Mm -hmm. euh, il avait été dans la discussion pour le best. Euh, best instruction. instruction mm -hmm. Puis euh, il était dans la, dans la top room la de deuxième journée. C'est quand même très très cool. Oui, oh, oui, était, il était ramassé. Euh, Quasiment un mouton à travers tous les prédateurs <laughs> de la zone. Exact. Oui. <rire> hey, <rire> top room of Gloomspite. Yeah? Yes, il a bien performé quand même. C'était très cool à voir allez. Donc, euh, super. Vous irez voir euh, PO Savoir. Ça va valoir la peine yep. d'aller le voir euh, en live. Cool. Donc, euh, c'est tout pour euh, le list review. Par contre, euh, on va s'embarquer. Euh, on va s'embarquer dans un petit faction breakdown euh, si vous voulez bien. Euh, je vous ai préparé une petite présentation. Euh, je vais nous me mettre ça à l'écran, malheureusement. Euh, rapidement. Ok. <coughs> euh, comme ça ici. All right. Good! Alright. Donc, petit faction breakdown que je vous ai présenté. Avec les statistiques qu'Alex m'a sorti, mais je suis aussi allé euh, chercher euh, directement avec les listes euh, quelques petites stats au niveau des War Scrolls qui, selon moi, vous avez trouvé intéressantes. Donc, on commence en gros en général. Grand Alliance, on en parle depuis tantôt, c'est sans surprise. Order qui domine largement presque la moitié de l'événement euh, se retrouve à être des listes Order. On a Chaos en deuxième avec 24,4%, Destruction à 21% et Dette avec 8,4%. Donc, euh, je demanderai à Jason dans le chat, s'il vous plaît, de ne pas starter des jokes d'arbres. C'est la dernière chose qu'on veut. Surtout avec 57 personnes dans le chat. <laughs> ça va être tough. Je vais essayer de, de, de ne pas plier. Non, non! God it, God it. Okay. Donc, retour au stat ici. <laughs> euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris, Alex, quand as vu ça à première vue? ou Puis, vous autres dans le chat, euh, Gênez-vous pas pour dire vos commentaires aussi, est-ce que ça vous surprend? Y a-t-il des choses que vous remarquez aussi dans les stats que je présente à l'écran? Gênez-vous pas, Alex. Ben, en fait, non. Puis je vais dire les, les choses là, qui, qui sortent. Le Un, puis, puis ça, c'est pas une surprise parce qu'il y a tellement de factions. La Order, encore une fois, est largement représenté parce qu'ils ont plus de factions. Puis je pense ouais. qu'il y a quand même des factions qui sont vraiment intéressantes et diversifiées. Mm -hmm. Moi, ce, qui ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit vraiment l'impact des nouveaux livres. T'sais, si on regarde les, les, les livres V3, puis j'inclus là-dedans Soul Blight, parce qu'ils ont comme chevauché V2, V3. Oui. Ils ont été faits en V2, mais clairement avec la V3 en tête. Fait que déjà, sept joueurs Soul Puis Soul Blight, je me rappelle, là, dans les, les, dernières, les derniers mois, les tournois, on disait quand' c'est sont les joueurs Soul Blight. Il me semble c'est un livre qui est cool. Il y, y, bon, y a un bon fan following. Ça commence de plus en plus à sortir. Je pense mm -hmm. qu'il y a des bonnes listes qui sortent. Je pense que Levan a, a contribué aussi beaucoup à, à builder cette faction-là aussi. Euh, ceux qui ont quitté un peu le LBO. Sinon, on regarde Stormcast, je pense que c'est 14 joueurs Stormcast. Mm -hmm. Les V3, si on prend, si on met tout ensemble les armées, les quatre allégeances, Druckware Clan, on a à 14-15 aussi, je pense, je ne me trompe pas. Là. Ouais. Ça en fait quand même, quand même beaucoup. On regarde Nurgle, c'est 14 joueurs Nurgle. Mm -hmm. euh, donc c'est beaucoup. Puis même les plus récents, Battletomb, Hidonette 6, Fireslayer 6. Tu sais, Slayer 6, là, euh, honnêtement, je pense qu'on n'en a jamais eu juste un dans toutes les clashs combinées puis c'est toi qui es joué. Ah, peut-être peut Mathis Claude aussi qui y jouait, est joué, je pense, c'est Fire Slayer. Euh, Oui, oui, je pense qu'on était pas dans le Si C'était un ou deux puis dat là. Mm -hmm. Fait que tu sais, on... c'est là soudainement, à pop, à pop, livre, il y a sa pop, sa pop, tu sais. Fait que je pense que l'impact nouveau livre vient aussi pour quelque chose. 6 joueurs de nudis, toi, ouais, exact. <laughs> Merci aussi à Kev qui s'est pointé le bout du nez et qui dit Xavier, tu les joué et tu as perdu contre Sylvanette. Merci de me rappeler ces excellents souvenirs. Euh, mm -hmm. Toujours très gentil. Je suis content d'avoir expliqué ta liste à tout le monde tantôt pour être certain que tout le monde te batte en fin de semaine. Je suis très, très, très content. Et c'est pour ça aussi que tu t'es branché ailleurs après tes défaites contre des Sylvanettes. Oui, 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 clairement. clairement. <laughs> J'ignore toutes les jokes d'arbres qui ont été faites dans le chat depuis tantôt. C'est pas vrai que je m'embarque là-dedans. OK. <laughs> Passons justement ben, euh, par Grande Alliance. Si je descends un peu plus bas, Order, on a, euh, tu le mentionné un peu, on a une dominance. Stormcast Eternals, les tomes 3.0 plus seraphon euh, qui en ouais. font partie. Donc, euh, 14 stormcast 6 Firestarers, 9 seraphon euh, 6 Daughters of Kain, 7 euh, Idenet Deepkin. On a 5 Luminettes quand même, qui, selon moi, Luminettes ont pris un coup là, versus la méta actuelle. Ouais. Mais il oui. y a de quoi à faire quand même. Oui, euh, clairement. Cities of Sigmar, qu'il faut, euh, faut faire attention aussi, on a accès euh, à des unités Stormcast. Donc, euh, c'est très très bon, Cities of Sigmar. Et Sylvanette aussi, voilà. qui sont quand même quatre. Euh, je veux dire, on a Represent euh, des Sylvanettes euh, en fin de semaine. Trèfle à quatre feuilles. à quatre feuilles. Bien dit. C'est tellement bien dit. <laughs> Mais écoute Je pense qu'il commence à s'enraciner un peu dans l'état. Luminette <laughs> euh... aime juste pas les dragons. C'est sûr qu'effectivement, c'est un très mauvais match pour eux. Il n'y a et pas grand-chose qui aime les dragons. Non, non, ça c'est sûr aussi. Euh... Donc c'est quand même relativement balancé jusqu'à ce qu'on voit bien entendu Stormcast. Mais je veux dire, oui, Stormcast sont bons, mais il fallait s'y attendre. Stormcast, c'est une armée euh, de, de, du starter set depuis les trois éditions. Euh, beaucoup de monde ont Stormcast euh, tu sais c'est une armée qui va souvent être très représentée mais que ses stats de victoire restent relativement bien balancés parce qu'on a autant des joueurs aguerris que des mm -hmm. joueurs un peu plus qu'un qui vont jouer l'armée et donc oh, par le fait même ben, les victoires et les défaites vont se balancer aussi donc euh, mais c'est très polyvalent ça c'est sûr et certain on se le dit Hérou, euh, PL qui dit que les deepkins les listes sont presque toutes différentes euh, ben c'est sûr que c'est vrai c'est quand même pas si, euh, si pareil non plus, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Non, puis je pense que sur les six listes, c'est quand même trois, trois enclaves. Il y a Morphane, Fouettan, puis Notila, je pense. ouais on a des Quand listes même d'avoir cool une, euh, ouais, une belle répartie. Absolument. Absolument. Donc, euh, Order. Euh, je m'attends à avoir des euh, Deep Runs, beaucoup, à travers euh, les listes qui sont présentées ici. Euh, je descends avec Chaos. On a. Très solide, euh, une Dominance mm. Nurgle qui se trouve à être le seul livre 3.0 et je crois que ça paraît. Euh, la plupart des autres livres ici, euh, honnêtement, tirent de la patte, auraient besoin euh, d'updates au niveau de leur mécanique, update au niveau des War Scrolls. Euh, ça ferait bien. Ça serait... Le besoin est là, clairement, là, euh, je veux dire. Euh, Ou bien vous êtes sur la neige, puis euh, votre livre, vous l'avez brûlé, ça fait longtemps aussi. Euh... Mais Nurgle sont très, très... sont méta, puis en même temps sont anti méta parce que pourquoi, mm -hmm. pourquoi ils sont dans méta? c'est qu'ils répondent à toutes les questions de la méta. Beaucoup de wounds, des ward save, euh, du deep strike, ils sont capables du de summon. faire du summon, des mortal wounds, c'est très, très, très solide. Ouais. Euh, First Prince sont où Effectivement, First Prince, il devrait... Ouais, c'est ça, il devrait apparaître, mais... Euh, le logiciel qui fait les euh, qui fait les pie charts, vous le voyez pas d'écrit mais le le pie charts en bas complètement ici, c'est euh, legion of the first prince qu'on voit ici, c'est juste qu'il est genre écrit en arrière, c'est mal fait de même. Puis si je me trompe pas, si je remonte plus haut euh, Caradron, c'est la petite barre du haut ici là que vous voyez là. Euh, le nom est à quelque part foqué en arrière là, mais Caradron sont représentés, ils sont dans le pie chart quand même. Anyway. Euh... Oh, on a eu le gentleman fumier qui a follow. Merci, euh, Frank. Merci. Euh, donc, Nurgle est très présent. Le reste, ben, ça s'équivaut. Euh, on a des dinch quand même, moi. dings euh, je, je pense qu'ils ont vraiment besoin d'un update parce qu'ils sont très mal positionnés avec la, la méta actuelle. Mais bon, j'ai hâte de voir. Il a besoin de nouveau lords, dans le fond. Oui, oui, oui. Le lord est moins bon. Je, je sais pas, je me suis tanné. Je suis tanné du lord. Oui, hein. On aurait besoin. le aura Ouais, ouais, c'est quelque chose de même. Euh, ont été. En plus, les unités ont été frappées par les prédateurs, effectivement. effectivement. Euh, donc, euh, on a hâte de voir. ce veulent qu aussi qui font leur apparition. Genre euh, de voir ce qu'on regarde à faire des Stormfiend. Euh, qui peuvent quand même, quand même faire beaucoup de dégâts, Stormfiend là-dedans. Euh, quand même assez solide. Euh, je continue avec Death. Donc, Death, pas très compliqué. Euh, Soul Blight 7. Bone Reapers 2 et Flesh Eater Courts 1, dominance sur Black Wave Lords Et on l'a mentionné tantôt, aucun Nighthaunt n'est présent. Euh, rest in peace, euh, les fantômes. Euh, peut-être, peut-être l'année prochaine, leur tombe s'en vient. Si leur tombe était sortie à temps, je pense qu'on Je pense pas. Mais Peut-être, peut-être, ça est trop récent. C'est mm -hmm. pour que les listes sortent. Je pense que l'an prochain, on va avoir beaucoup au clash. Parce okay. que leur, leur tombe va, être, à moins que leur tombe soit de la bouette, mais honnêtement, si on voit la tendance des tombes V3, sont tous intéressants. Euh, fait, moi, je pense que là, les, ça, va, ça va réveiller les joueurs ouais. qui veulent jouer Night Hunt. Puis là, il va avoir un an oh, pour se roder. Pour ouais. trouver des listes, pour peaufiner. Ouais. C'est un petit peu comme Soul Blade quand c'est sorti. Moi, je pensais, les gens vont ressortir leurs vieux. Non, parce que euh, tu pas encore un fil pour la liste. Mm -hmm. mm -hmm. Je pense que le fait que ça sorte là, après moi, ça va sortir peut-être. Au mois de mai peut-être? Ouais, possiblement. Hein. Ben ouais. tu sais, ça donne quand même un bon temps. Euh, Gentleman fumier, merci pour le sub. Big love. Euh, on est à trois subs du 12-hour stream. Ça serait malade. Ça serait malade. Euh, Puis Nighton tombe un peu dans la catégorie ce que je parlais tantôt. C'est une, une Starter Army de la deuxième édition. Il y a beaucoup de monde qui les avait. Puis c'est consistamment l'une des armées qui dans les, 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 euh, les pôles est votée la plus belle armée d'Age of Sigmar. Dire, ouais. Les Ooh, modèles sont incroyables. Euh, je veux dire, Ça ne m'étonnerait pas qu'on oui. envoie. Il suffit juste que le livre soit potable, le livre soit solide. On n'a pas besoin de quoi de Hopi. On veut juste des livres comme la troisième édition nous a donné à date. Puis ça serait assez pour les voir sur la table. Puis je le souhaite vraiment. Um... Oh Saline qui a gifté un sub euh, à Hot Skill merci Saline thanks euh, dans la boîte Arena of Shade c'est plate les arbellettes sont vraiment ordinaires ben tu sais oui vite de même sont ordinaires mais bon peut-être je le dis je le dis depuis de, de longtemps peut-être qu'il y a une sous-faction pour eux autres pour ah, au vrai là ouais. les, moi, je me rappelle de pas si longtemps là, avec la box Fury of the Deep ouais. tous les joueurs euh. capotés c'est toujours la même la chose c'est toujours ça mais quand tu check les, les buffs puis les mmh. couches de règles, tu des les Fire Slayers. Là, ouais. Tu peux faire de quoi de vrai Moi, je suis vraiment tombé en amour avec les Fire Slayers. À, des règles, pas à cause des bonhommes qui sont lettres, là. Mais tu sais, pour vrai, ça ne veut rien dire, une boîte de non, même. Non, 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 non. non. Il son... euh, faut vraiment voir le tout avant de pouvoir porter un jugement. Le oui, en ce moment, c est, c est, c est, c est, ça laisse à désirer, mais on n'a pas de big picture encore. Donc, il faut vraiment attendre. C'est la même chose avec Hérou qui. Ouais, mais Hérou, c'est pas pareil, il chiale encore contre ces aides. C'est pas, pas la même chose. Ouais, je, je parle pas encore du premier livre. Ah ok, ok, ok. C'est pour ça. pour ça. Je comprends là. Bon. Euh, Je vis dans le passé. Ouais, c'est ça, PL, exactement. c'est ce euh... drôle. Une vraie anecdote sur Pierre-Luc. Tu ouais. Pierre-Luc? Pour ceux qui se rappellent, avait nommé deux requins, Quimpy-Roquin. Fait que là, il jouait sa game, je lui dis puis je vais voir, il joue avec six requins dans sa liste. Fait que là, je vais voir, il dit, qu'est-ce que c'est PL, sont sont Je les ai vendus. Il dit, qu'est-ce, as vendu deux requins, t'en as racheté six? Puis c'est le gars, il a dû acheter pour environ 10 000 10 donnettes. Il en a vendu des. Je de la misère à puis les ça. peint, puis ils sont peints à chaque fois. Là. Oui, oui, c'est ça, exact. Il <laughs> euh... c est vend, il il s'en rachète d'autres. En tout cas, bref. C'est particulier. Destruction. Destruction, euh, j'étais avec une quote euh, de Lord of the Rings avec The Age of Man is over, The Time of the Oruk has come. Euh, parce mm -hmm. qu'effectivement, quand on mixe ensemble toutes les factions de Oruk Warclans, Arrangers, scrollboys, Bone Splitters et Big Wai, euh, on se ramasse quand même à beaucoup, là, on se ramasse à 14. Donc ça vient rivaliser Stormcast et Nurgle en termes de, de livre le plus représenté. Euh, mais bon, je pense que ça vaut quand même la peine de les séparer par faction et on a ici Iron Jazz qui domine avec sept factions, euh, sept joueurs plutôt, euh, Cruel Boys, Sumner et Gloom Spite qui sont à 4 On a ensuite Ogar à 3, Big War à 2 et Bone Splitters à 1 qu'on a Shout Out tantôt. Ah mais c'est une belle variété pour vrai. Là. Oui, oh, oui, quand même. Là, je hein. Pour vrai, mettons, si tu me demandais laquelle des, des grandes alliances est la, est la mieux représentée ou la plus diversifiée, je, je devrais dire destruction, je dirais. Oui. Oui. Même c'est ouais, euh... oui, 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 non, c'est ça. Euh, c'est de la faction qu'on ne s'attendait pas à voir tant que ça non plus. Euh, je sais que beaucoup de listes là-dedans, Kragnos, je pense qu'il a eu son effet. Euh, vient surélever beaucoup de mm. ces euh, factions-là de destruction. Qui en avait bien besoin. Uh, big Dong Studios, merci pour le sub prime, <laughs> big love. Uh, mais non, uh, c'est vraiment intéressant de voir la diversité qui est présente ici. Uh, puis je pense que Kragnos est venu, uh, venu donner un coup de main, c'est certain. <laughs> uh, je vous présente quelques petites, euh, quelques petites stats au niveau des War pour terminer tout ça. Uh, du en... lore. du lore. lore. du lore. On commence avec les, oh, les big man. boys. Euh, oh, Aramitz avec le sub de Prime aussi. Big love, Colin. On a atteint le. Euh, on a-tu atteint le level 2 du Hype Train? My God, ben oui. Ben oui, level 2 ici. Crème. Non, level 1 complete. Ouais, c'est on est dans le level 2. Merci guys pour le love. C'est très, très, très apprécié. Euh, je sais pas si le counter va s'updater. Je pense qu'on qu a atteint le 30 sub. Oh. Oh, Ça reste à confirmer. Des fois, il y a du délai sur le counter avant qu'il s'update. Se... Qu euh, on va voir mais qu'il s'update tantôt. Euh, je commence avec les big boys. OK? Ça, c'est vos dieux, vos demi-dieux, vos monstres. On a six Morati Et c'est quand même intéressant de voir qu'il y a six joueurs Daughters of Kane. Donc, tout le mm -hmm. monde joue Moratzi. On a six Kragnos. Un Gotrek, le nain roux euh, en chest vient quand même faire son apparition. Loin de. Loin du début de la V3, mais il est encore là. Il est encore là. Oui, oui, oui. Huit Bel Accords, quand même. J'étais impressionné de voir autant de Bel Accords, euh, je veux dire. puis Il y a juste deux. Legion of the First Prince. puis il n'est pas joué dans Safe of Darkness. Fait que Bel il show up en allié dans plusieurs autres factions, là, dans le fond. Ben, pour vrai, si, si je jouais KO, là, moi, ce serait un auto-include pour, pour ce qu'il amène, pour ce qu'il fait. Là. Oui. Très, très, très bien Très, très fort. Fait qu'on le voit dans plusieurs listes, plusieurs factions différentes aussi, même. Neuf magmadrot, On a quand même beaucoup de, beaucoup de monstres. Euh... Ouais, il y, y en a cinq qui sont juste dans la liste de, <laughs> de Saline. Et les autres, je pense, sont éparpillés un peu partout à travers les autres listes. Neuf boss sur Mokrusha aussi. On a des gros cabbages qui vont vous rentrer dedans. Un archéon seulement, on l'a mentionné tantôt. Et ma stat préférée, c'est qu'il y avait deux Saigor. Deux joueurs b 7 jouent une Cygor. Donc il y a deux fois plus de Cygor que d'Arcaon dans le tournoi. Euh, et de Gotrek aussi. Donc ça, je ne pouvais pas, pas m'en empêcher. Cygor, le, le pic ultime secret. Euh, ça m'étonnerait pas qu'on voit un nerf sur les Cygor. Probablement qu'ils vont devenir un, un, un uh, priority target. Ça m'étonnerait oh, pas. Oh, clairement, là North is coming big time ». Non, non, mais c'est clair. « OP War Scroll <laughs> ». Effectivement. Euh, « PL qui dit 8 bon, ben de seulement... euh, que PL qui dit but ben de Pas mal le nombre que j'ai acheté et revendu. Ça <laughs> make sense. Ça fitrait ça pas mal dans son moule. Mais demandez-donc, vend... pour vrai, demandez-donc, il a, il a vendu et acheté combien d'édolons? Puis combien d'Achillian King? <laughs> Moi, ça, ça me semble très de savoir cette information-là. PL, euh, t'as entendu la question. Combien d'édolons euh, as-tu vendu? Euh, de sais, combien King, King aussi? J'adore la, la réponse. Moi euh, aussi. Donc ça, c'est pour les big boys. Des, des... Qu'est-ce te vient en voyant ça? Euh, quelque chose de particulier, Alex? Ou uh, chat, vous, quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous dit? Euh... Ben, moi, pour vrai, euh, c'est sûr qu'on ne jouait pas au dernier clash, on ne jouait pas en V3. <laughs> le... C'est le premier clash qu'on fait en V3. Euh, mais tu on, on voit déjà l'évolution, juste des premiers tournois qu'on avait fait, euh, où est-ce que le, le Safe Stacking, tout le kit, c'était Arcaon à gauche, Arcaon à droite, oui. euh, le Track était très présent aussi. Tu sais, on voit qu'il y a une évolution, que les joueurs s'adaptent. Euh, Puis ça, je pense que c'est un signe que l'évolution du jeu aussi, oui. euh, ne serait-ce que par les petites mises à jour, ne serait-ce que par. Tu sais, vu qu'il y a justement un, un méta qui est en mouvement, ben, ça force les joueurs à, à se repositionner. C'est pas parce que as, ta liste a été nerfée ou quoi que ce soit. Ben, okay, tu as d'autres choses, d'autres options. Que ça, je trouve ça le fun quand c'est vivant comme ça. Et si on voit les mêmes listes, on, Thunder, on en voit quand même, mais on en voyait presque pas au dernier Clash. Mm. Euh, c'est les Fans of Sotec. Je pense que la seule chose qui n'a pas tant changé, c'est les listes de of king des Morati, Bow snakes, mm -hmm. mais ça, ça va probablement, on verra, là, mais ça va probablement se modifier dans le prochain Battletone qui sort bientôt. Peut-être qu'on va avoir, peut-être que ce combo-là sera peut-être plus aussi pertinent, peut-être, on ne sait pas, est-ce que peut-être que c'est seulement les Blood Sisters qui vont être possiblement Battleline, donc pour caper à 10 ton unité de Bloodstalkers. Stalkers. On verra, mais tu sais, euh, je pense que c'est le fun de voir qu'une évolution puis des unités qui étaient vraiment joué voilà un an, mm -hmm. ben ne l'es plus actuellement, puis des factions qui reprennent vie. T es, t es, tu dis Sylvanette, Gloom Spite, uh, Fire Slayer, c'est le fun de. Ouais. Beast of Chaos, c'est le fun de voir ces, 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 ces factions-là avoir un petit peu de play, puis de les voir sur la table, puis. Non, je trouve ça cool. Absolument, je suis d'accord avec toi. Euh, PL qui nous répond, qui dit 9 requins. Euh, non, il dit au moins 6 et de long, 7 8 king, 9 requins et trop d'anguilles. <laughs> On aime ça de euh, merde. J'avais des questions aussi concernant l'arrière, Est-ce qu'elle a été boudée totalement ouais. Non, je suis pas mal sûr qu'il y ait au moins une à l'arrière que j'ai vue. Euh, C'est pas ouais, excessif. j'ai pas toutes les War Scrolls. Je, je ne suis qu'un homme qui a passé à travers 122 listes euh, aujourd'hui. Donc, j'ai pas été chercher ah, chacun. Un list. Oui, oui, oui. Il n'y a, a pas de nagash. Non, effectivement. Euh, c'est encore une euh... bagage avec un modèle super vu oh. un an qui ne l'est juste plus. Absolument. Euh, okay, ouais. Donc là, c'est ça. Je ne suis pas allé vraiment là, euh, toutes les War Vous comprendrez bien. Euh, J'ai d'autres stats pour vous. Dernière petite ici. Euh, stats intéressants à savoir. 22 Beasts of Nurgle. On sait qu'on a beaucoup de listes de Nurgle. Euh, 59 Grosses Mouches. Donc ça, je ne compte pas. Les Plague Drones, ça, il y en a, des Plague Drones. Euh, mais là, c'est seulement les Lord of Afflictions et les post, post Blightlords, Lords. On est à 59. 280 zombies dans le tournoi. 12 Bastiladons avec les Thunder Lizards qui sont très, très, très présents. 39 dragons. Et là, je du gros un... lore. du gros lore ici. Je compte les Storm Drake Guards et le Night Draconis. Mais il y a aussi. Merci euh... pour ta contribution, David. Fait... C'est moi qui ai le plus de dragons dans la même liste avec 7, 7 dragons. J'étais très fier de moi. Et tout le plus de lore, <laughs> <c 'est ça. rire> euh, Je compte pas quand même. Il y avait aussi, j'ai vu un Cronis, il y avait aussi un Lord Celestin sur Standrake. Donc on a d'autres genres de dragons qui sont là aussi. On a 20 requins, 20 Alopex. Merci. Et... Euh, oui. Et euh... Euh, on les a pas oubliés. 135. Sentinelles sont quand même présentes euh, dans le tournoi. Euh, très, 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 très cool à voir aller. Donc, euh, c'est des, euh, des petites stats comme ça que je trouvais cool à, à montrer. Euh, surtout avec des, euh, des units qu'on entend parler ou des units qui clairement la cote avec le, le tournoi actuel Je veux dire, 59 mouches. Euh, c'est beaucoup. C'est vraiment <laughs> beaucoup. Euh, je pense que c'est le War Scroll le plus répété. Euh, mm -hmm. de tout le tournoi, là, je veux dire, le Pusgar Black Lords euh, est là le plus souvent. Là, donc, euh, solide, Avec... Avec raison, <laughs> effectivement. Je ne me rappelle plus c'est qui a dit ça, c'est le Storm Drake Guard de, 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 du chaos, dans le fond de Nurgo. Ouais. Euh... C'est tout le... <laughs> Une chance que j'ai pas dit... Ah, oh, quelqu'un de très sage m'a déjà dit que... mais... Euh, j'ai pas fait ça. Okay. Euh... <laughs> Euh, 22 B of c'est juste un gars qui a... Ouais, c'est quelqu'un qui a la moitié de ses B of Nurgle, là juste dans sa liste. Oui. C'est quand même drôle à voir aller aussi. Et <laughs> ah, puis je me demande si c'est pas 23 B of Nurgle, parce que je pense que j'ai vraiment mis 11 dans mon compte comme je me suis trompé tantôt. Fait que ça se peut qu'on soyez... qu soit à 23 parce qu'effectivement, il y en avait 12 dans sa liste. Euh... Donc, c'est ça. C'est le clash. Le clash en nombre, en chiffres et en liste, donc euh... on passe au travers. On passe au travers. J'ai beau. Long Strike Fulminator, ouais, c'était c'était un autre de mes que j'aurais pu commencer à checker. Euh, mais bon, euh, j'étais pressé par le temps et euh, j'ai pas voulu me en retaper encore toutes les listes. Euh, c'est quand même sorti hier, les listes, hier soir. J'ai ouais. quand même, euh, vraiment... même pas eu 24 heures. Non, c'est ça, j'ai pris du temps pas mal aujourd'hui pour, euh, pour essayer de nous faire tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Euh, un gros merci encore euh, à tous ceux qui ont été là ce soir. Très, très, très apprécié euh, d'avoir été là avec nous. J'ai très hâte de vous voir en fin de semaine. Euh, si mm -hmm. vous me voyez en fin de semaine, n'hésitez pas euh, à venir me dire bonjour, à me faire un petit salut. Euh, vous pouvez me dire. Ouais, ouais, tu sais, puis dites-moi euh, votre nom sur Discord aussi. Moi, j'aime ça des fois associer après ça les visages avec les noms parce que je sais pas qui est qui, qui non plus nécessairement. Euh, donc, euh, je n'ai vous pas, venez me jaser. Euh, si vous n'êtes pas chanceux, on va jouer contre. Gros. Euh, <laughs> euh, puis, euh, on va avoir bien du plaisir. Jouer, jouer est un grand mot. Ouais, c'est ça, jouer est un grand mot. Vous demanderez à Gab ce qu'il en pense. Euh, Saline avec un autre gifted sub. Adjo le prof. Merci, Saline. Et là, le compteur s'est updaté en retard et on est rendu. À 32 subs sur 30. Merci, guys, pour le big merci. love. Euh, on a débloqué le 12-hour stream. Donc, clairement, on va devoir faire ça euh, probablement ce printemps. Je, je vais nous organiser quelque chose de cool. Euh, on va avoir beaucoup de plaisir. Euh, merci beaucoup encore une fois. On a droit à un, on a droit à un GG. GG! Merci. Merci à tous. Euh, Alex, immense merci encore une fois d'être venu. Merci à toi. Puis euh, on, te souhaite, euh, on te souhaite un bon événement en fin de semaine. Je encore une fois à tous les autres organisateurs qu'on a mentionnés au début du show. Euh, votre travail est super apprécié. Lâchez pas, euh, le payoff est en fin de semaine, puis on va avoir beaucoup de plaisir en gang. Ça Et va être très, très cool aussi. Pour vrai, là, juste pour clair là-dessus, là, euh, euh, n'hésitez pas, là, quand, si, si vous voulez croiser au tournoi, vous allez croiser au tournoi. Là, je pense à un petit un merci. Euh, Je pense que ça, fait... ça peut toujours faire du bien euh, aux autres qui n'ont peut-être pas la même en, visibilité que mm -hmm. moi. Là. Mm -hmm. mais leur job est, est tout aussi important, sinon plus que la mienne. N'hésitez pas à leur dire un petit merci. Je pense qu'ils méritent, euh, méritent beaucoup avec tout ce qu'ils ont fait. Absolument. Vraiment. C'est euh, un dur labeur, mais c'est un labeur d'amour et euh, vraiment de dévouement. Donc, on les remercie tous. Euh, avant de quitter, guys, on est tellement beaucoup, on va en profiter. On va aller raider euh, quelqu'un sur, euh, sur Twitch. Je veux dire, on euh, ne peut pas passer à côté de ça. Là. Euh, on a-tu quelqu'un qui peint euh, on Je veux dire, on a du monde qui peint, mais est-ce qu'on a quelqu'un d'Age of Sigmar Je ne crois pas nécessairement. Euh, Next Level Painting, que j'ai déjà raidé par le passé, qui est très très cool. On va aller le raid de ce pas. Donc, si ça vous tente d'aller dire un petit bonjour, euh, de faire euh, un petit salut de la part du Gentleman 14, on va faire euh, Poop Raid comme ça. Donc... Parfait. On est parti. Hey, un gros merci, guys. Très content de vous avoir été ici. Euh, on se voit en fin de semaine au Clash, guys. Euh, passez une excellente soirée. Alex, encore un gros merci. Euh, Puis, euh, je vous aime tous d'amour. Bye-bye. You yeah, do man.